Alors, notre webinaire aujourd'hui est sur le mercure, sur l'exposition au mercure. Pourquoi? Parce que le mercure est considéré par l'OMS comme l'un des 10 premiers, des 10 produits chimiques ou groupes de produits chimiques qui sont extrêmement préoccupants pour la santé publique. Et l'OMS considère que l'exposition au mercure, même à de petites quantités, peut causer de graves problèmes pour la santé et constituer une menace pour le développement de l'enfant in utero. Et même après, c'est-à-dire à un âge précoce. La Convention de Minamata prévoit parmi ces dispositions l'élimination progressive de l'utilisation d'amalgames dentaires, tenant compte de la situation nationale de chaque pays. En fait, après la signature de la déclaration d'Abuja en 2014, appelant l'Afrique d'être le premier continent à mettre fin à l'utilisation du mercure dans la dentisterie, plus de 40 organisations de la société civile en Afrique ont élaboré un plan pour mettre en œuvre la déclaration d'Abuja et ont même institué une journée africaine intitulée pour c'est-à-dire journée africaine pour une dentisterie sans mercure. Ces organisations de la société civile en Afrique appelle très particulièrement les gouvernements des pays africains d'interdire l'utilisation de l'amalgame dentaire dans les dents de lait. C'est dans le cadre de cette dynamique que la société marocaine Santé, Environnement et Toxicovigilance a décidé d'organiser ce webinaire sur l'exposition au mercure chez les dentistes et les assistants dentaires qui a pour thématique pour une utilisation rationnelle de l'amalgame dentaire. Ce webinaire est organisé par AMCETOX, c'est-à-dire l'Association Santé, Environnement et Toxicovigilance, en collaboration avec le Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc et l'Université Ibn Tufayl de Kénitra et le Syndicat des médecins dentistes du secteur privé de Rabat, que je tiens vivement à remercier, c'est-à-dire toutes ces institutions qui nous ont rejoints pour l'organisation de ce webinaire. Je tiens également à remercier les deux sociétés qui nous ont soutenus, à savoir HTDS et SigmaQual, qui font toutes les deux les équipements et fournitures de laboratoire. Puis, je remercie tous les orateurs, les panélistes et tous les participants. Avant de démarrer la première séance, je vais juste introduire les modérateurs de ce webinaire. Alors, nous avons avec nous Docteur Hind Bennani, qui est médecin dentiste, qui exerce à Rabat. Elle est présidente du syndicat des dentistes privés de Rabat, vice-présidente de la Fédération nationale des dentistes privés du Maroc, et elle était dans le bureau du conseil régional nord des dentistes comme trésorière. Je tiens particulièrement à la remercier pour l'aide précieuse qu'elle a apportée pour l'organisation et la réussite de notre réunion. Nous avons parmi nous également, et ça nous fait un grand honneur, le professeur Souleymane Abdemjid, qui est directeur du centre doctoral universitaire de l'université Ibn Tufayl. Et nous avons la jeune docteure Imen, pardon, qui est médecin spécialiste en toxicologie clinique et analytique, lauréat de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, diplômée en épidémiologie et recherche clinique et en technique d'analyse pharmacotoxicologique de Limoges, de l'INSERM de Limoges. Et elle travaille au centre antipoison, dont elle s'occupe des vigilances aux pesticides depuis 2018. Donc, je donne la parole en premier au docteur Itken pour commencer la première séance. Et merci. Bonjour, merci Madame la Présidente. Bienvenue à tous. Tout d'abord, je remercie Madame la Présidente de l'Association marocaine Santé, Environnement et de Toxicovigilance de nous avoir réunis pour débattre ce sujet qui nous tient à cœur et de m'avoir désignée à côté de Dr Bennani et Professeur Souleymani pour modérer ce webinaire. Je profite de la même occasion pour remercier nos collaborateurs et nos partenaires et à remercier tout le monde pour votre présence dans cette réunion virtuelle
et cette présence donc nombreuse témoigne de votre intérêt pour le sujet des amalgames dentaires et particulièrement le risque de l'exposition au mercure. Donc, à travers ce webinaire, nos conférenciers essaieront de répondre aux préoccupations courantes de certains membres du public et aussi de la profession dentaire concernant la présence du mercure dans l'amalgame dentaire, son risque sur l'état de santé, les moyens de dépistage du mercure et la gestion du risque toxique. Aussi, ils vont présenter les moyens correctifs et préventifs en cas d'événements toxiques par les amalgames dentaires. Ce webinaire se déroulera en deux sessions. Donc la première se déroulera en deux sessions. La première est réservée aux conférences et puis par la suite, la deuxième session est réservée au panel. Donc, pour la réussite de cette réunion, j'invite nos intervenants à respecter le timing. J'invite aussi notre chère audience à poser les questions via le chat. Et à la fin de ce webinaire, nos conférenciers et nos panélistes essaieront de répondre à toutes vos questions et vous donneront plus. Dr Hanan Chaoui, qui est médecin spécialiste en médecine de sport et ayant un diplôme universitaire en épidémiologie de l'Université de Bordeaux, PhD en épidémiologie de l'Université Ibn Tufayl, au sein du Centre anti-poison et plus exactement au sein du département de toxicovigilance, il est responsable de la détection des signaux et la validation des alertes en toxicovigilance. Il est responsable aussi de la gestion des intoxications par les métaux lourds et par les drogues et médecins répandeurs. Donc, elle est aussi rédactrice en chef de la revue Toxicologie Maroc et secrétaire générale de la Mestox. Elle a participé aussi à l'élaboration et la gestion du projet de recherche concernant l'élimination du plomb dans les peintures au Maroc. À vous la parole, Dr Hanan Chaoui. Merci, docteur Iken. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. D'accord, merci beaucoup. Donc, merci, docteur Iken, honorable assistance. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui d'inaugurer ce webinaire qui traite d'une problématique qui est fort intéressante. Donc, avec ma présentation qui s'intitule « Toxicité du mercure et amalgame dentaire ». Donc, je vais partager avec vous les slides que j'ai préparées. Est-ce que c'est bon pour le partage? Vous voyez le partage? Oui, docteur Chaoui. Très bien, je peux commencer. Est-ce que vous voyez le défilement des slides? Vas-y, essaie pour diaporama. C'est bon? Il faut faire le diaporama pour... D'accord, ça ne marche pas le diaporama. Attendez, s'il vous plaît. D'accord. D'accord, maintenant je fais le diaporama. Est-ce que je suis en diaporama? Non. D'accord. Et maintenant? Est-ce que je suis en diaporama maintenant? Non, docteur Chaoui. Donc, excusez-moi. Si tu peux défiler. Mais, oui, essaie de défiler. Je pense que tu peux, c'est lisible. C'est lisible, exactement. D'accord, c'est bon.
Maintenant, est-ce que c'est. J'ai encore essayé. Est-ce que je suis passée en diaporama, non? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. C'est pas grave, mais c'est lisible. C'est lisible, d'accord. Donc, je commence ma présentation qui est intitulée, comme je l'ai déjà dit, Toxicité du mercure et amalgame dentaire. Donc, par une introduction. Donc, comme vous le savez tous, le mercure est un élément naturel présent dans la nature, dans l'air et dans l'eau et aussi au niveau des sols. Et comme l'a très bien dit Madame Ralem dans son introduction, l'exposition au mercure, même à des petites quantités, peut causer de graves problèmes de santé et constitue une menace pour le développement de l'enfant in utero et aussi un âge précoce. Surtout parce que c'est un toxique qui est cumulatif. Donc, même en petite quantité, l'exposition peut donner des problèmes de santé. Le mercure, il peut avoir des effets toxiques sur les systèmes nerveux, digestifs et immunitaires, et aussi sur les poumons, les reins, la peau et les yeux. Et comme l'a aussi dit Mme Ralm dans son introduction, le mercure est considéré par l'OMS comme l'un des 10 produits chimiques extrêmement préoccupants pour la santé publique. Donc, de quoi il s'agit ? Donc, le mercure est un élément qui se trouve dans la nature. Il se trouve sous diverses formes inorganiques et organiques et c'est un élément qui est persistant dans l'environnement. Donc, il se présente essentiellement sous trois formes principales. D'abord, le mercure élémentaire, le mercure inorganique ou bien les sels de mercure et le mercure organique. On s'intéresse surtout au méthylmercure et pas à l'éthylmercure qui est utilisé dans les vaccins parce qu'il est considéré comme safe par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, le mercure auquel on s'intéresse aujourd'hui et qui constitue principalement les amalgames dentaires, c'est le mercure élémentaire. Comment on s'expose au mercure ? Donc, pour le méthylmercure, qui est le mercure organique, c'est surtout à travers l'alimentation et les produits de la pêche. Pour le mercure élémentaire et le mercure inorganique ou bien les sels de mercure, c'est essentiellement à travers l'inhalation de l'air ambiant, surtout les activités professionnelles, les activités industrielles de fabrication de batteries, à travers les professionnels de la santé dentaire, en cas de bris ou de cassure de thermomètre ou de baromètre à mercure, et chez les porteurs d'amalgames dentaires. Il y a aussi l'exposition à travers l'utilisation, surtout pour le mercure inorganique et les sels de mercure, l'utilisation des crèmes et de savons éclaircissants à base de mercure. Les thérapies traditionnelles, exemple le calomel qui est ici sur la photo, c'est le chlorure de mercure qui était utilisé et qui continue d'être utilisé pour le traitement de la syphilis. Lors de certaines pratiques culturelles, par exemple pour chasser le mauvais œil, et lors de déversements accidentels de mercure dans les maisons, les écoles, les structures de soins et autres. Quelles sont les populations vulnérables qui sont vulnérables à l'exposition au mercure? Donc, on distingue deux populations vulnérables. D'abord, les populations qui présentent une plus grande sensibilité aux effets de mercure et les populations exposées à des concentrations plus élevées de mercure. Pour les populations les plus sensibles au mercure, on distingue d'abord les fœtus, le nouveau-né et les jeunes enfants, car leur système nerveux sont toujours en développement. Et aussi les femmes enceintes, les femmes allaitantes, car il y a un passage par le placenta du mercure et aussi à travers le lait maternel. Les grands enfants et les adolescents aussi, car le système nerveux, il continue à se développer jusqu'en adolescence. Les patients qui sont atteints de pathologies hépatiques, de pathologies rénales, neurologiques ou bien de pathologies respiratoires, des antécédents de ces pathologies. En cas d'insuffisance alimentaire en zinc, en glutathion, en antioxydants, en sélénium, ou bien les populations qui souffrent de malnutrition, car ces substances ils protègent contre la toxicité du mercure. Pour la deuxième catégorie de populations vulnérables, ce sont les populations exposées à des concentrations plus élevées de mercure. Donc, en premier lieu, on distingue les consommateurs accrus de poissons, surtout les espèces prédatrices, concernant le mercure organique. Les personnes porteurs d'amalgames dentaires pour le mercure élémentaire, les travailleurs à travers l'exposition professionnelle, notamment les orpailleurs. Les orpailleurs, ce sont les personnes qui font l'extraction minière d'or, mais on n'a pas cette activité au niveau du Maroc, donc ce risque n'existe pas, ce type d'exposition n'existe pas au Maroc, mais surtout les professionnels dentaires, de la santé dentaire. Et aussi les consommateurs de produits contenant du mercure, comme on l'a déjà cité, les consommateurs de crème éclaircissante, de savon éclaircissant et les utilisateurs de thérapie traditionnelle au mercure. Donc, la toxicité du mercure est une toxicité qui est connue depuis l'Antiquité. Donc, elle dépend du type de mercure en cause, de la dose
utilisé, de l'âge ou du stade de développement de la personne exposée. On a déjà dit que le fœtus était plus sensible car le système nerveux est en développement. La durée de l'exposition, est-ce que c'est une exposition aiguë ou chronique? Et le mode d'exposition, soit par inhalation, par ingestion ou par contact avec la peau. Donc, le mercure, quand il rentre dans l'organisme, donc maintenant, à partir de maintenant, on va s'intéresser juste au mercure élémentaire, le HG0, pour ne pas, c'est-à-dire pour se concentrer sur le principal composant de l'amalgame dentaire. Donc, on va oublier le mercure, la toxicité du mercure organique et des sels inorganiques de mercure. Donc, on va juste traiter de la toxicité, la toxicocinétique et la toxicité du mercure élémentaire. Donc, le HG0 ou le mercure élémentaire sous forme de vapeur est absorbé essentiellement par voie pulmonaire. C'est très important. Donc, ce sont les vapeurs de mercure par inhalation qui sont les plus toxiques, donc entre 61 et 86 %. L'absorption digestive et cutanée, elle reste faible. Et 80 % du mercure qui est inhalé est retenu dans l'organisme avec une accumulation ciblée sur le rein, en premier lieu. Après, le mercure élémentaire, du fait de son caractère très lipophile, il va traverser facilement la barrière hémato-encéphalique et la barrière placentaire avant d'être ionisé en ions mercuriques, les sels de mercure, sous l'action de catalases érythrocytaires au niveau du globule rouge. Après, le mercure ionisé, il va se retrouver piégé dans les lysosomes et va être responsable de la majeure partie de la neurotoxicité du mercure et sa longue demi-vie dans le cerveau. L'élimination du mercure, elle est essentiellement rénale lors d'exposition prolongée. Dans une moindre mesure, elle peut être biliaire jusqu'à 40 % des cas et plus faiblement par voie cutanée et salivaire ou bien à travers les fanères. Donc, comment on s'intoxique d'une manière aiguë au mercure élémentaire? Donc, la toxicité aiguë au mercure élémentaire. Donc, on a déjà dit que l'absorption, que le mercure élémentaire, ce sont surtout les vapeurs de mercure qui sont toxiques. Donc, par voie digestive, l'absorption, elle est faible. Donc, il n'entraîne en général pas d'intoxication. Cependant, il y a un risque de pneumopathie d'inhalation en cas de fausse route. Par voie inhalée, donc la toxicité aiguë est surtout par voie inhalée. Donc, d'abord, on va observer une toux, une dyspnée, parfois un œdème aigu du poumon. Parfois, ça peut être accompagné de coliques et de diarrhée. Et vers le troisième jour, on observe un syndrome grippal, fait d'asthénie, fièvre, céphalée et myalgie. Donc, ce tableau, il peut se compliquer d'atteinte rénale ou de cytolyse hépatique, d'encéphalopathie, d'atteinte cutanéo-muqueuse retardée, à type de stomatite ou d'érythème mercuriel. Quand il n'y a pas de traitement, en l'absence de traitement, on peut observer le décès qui survient dans un tableau d'état de choc ou de détresse respiratoire aiguë. Les séquelles sont fréquentes et sont surtout observées chez l'enfant et ils sont à type de fibrose pulmonaire. Donc ça, c'est le tableau de toxicité aiguë par voie inhalée du mercure métallique. Par voie cutanée, donc en cas d'exposition par voie cutanée au mercure métallique, on observe des dermatites de contact, surtout observées chez les porteurs d'amalgame et chez les dentistes, une urticaire, une érythrodermie et un purpura. Maintenant, on passe à la toxicité chronique. La toxicité chronique est appelée du mercure élémentaire est appelée hydrargyrisme. Donc, classiquement, elle est liée à une exposition chronique aux vapeurs de mercure. L'organe cible chez l'homme lors de l'inhalation de vapeurs de mercure est le système nerveux central, comme on a vu dans la toxicocinétique. La sévérité et la réversibilité des lésions dépendent de l'intensité et de la durée de l'exposition. Donc, quels sont les signes qu'on va observer lors de l'intoxication chronique par le mercure métallique? Donc, d'abord, ce sont des atteintes du système nerveux central et périphérique. Donc, au début de l'intoxication, ce sont des signes qui sont peu spécifiques, à type de céphalée, asthénie, tremblement inintentionnel, des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des troubles de la personnalité et du caractère. Et déjà, à ce stade, au début, les tests psychométriques et les potentiels évoqués, ils vont montrer une atteinte neurologique centrale. Puis, quand les choses se compliquent, on va observer une encéphalopathie faite de syndrome cérébelleux complet avec une franche altération intellectuelle. On peut observer aussi des hallucinations et un délire, une atteinte des voies optiques et un syndrome extrapyramidal.
Pour l'atteinte neurologique périphérique, il s'agit d'une polyneuropathie sensitivo-motrice distale. Pour les autres systèmes, donc on peut observer en cas de toxicité, d'exposition chronique au mercure métallique, une stomatite faite d'inflammation et de saignement des gencives, une hypersalivation, un goût métallique au niveau de la bouche et l'apparition de liserés noirâtres qui restent anecdotiques. Donc, on peut observer aussi des réactions allergiques faites d'urticaire, d'eczéma, d'érythrodermie, de desquamation. Une acrodynie, donc faite de membres rouges, œdémateux et douloureux. Donc, l'acrodynie aussi, c'est très rare qu'on l'observe maintenant, donc elle est aussi anecdotique. Une atteinte rénale, glomérulonéphrite, syndrome néphrotique, des troubles de la vision, le mercure ralentit avec diminution de l'acuité visuelle des couleurs. Concernant la tératogénicité et les ferroprotoxiques, donc le mercure métallique, il est tératogène et phototoxique chez l'animal. Mais l'Union européenne n'a pas classé le mercure métallique comme toxique pour la reproduction. Concernant le mercure et la cancérogénicité, il est classé groupe 3 par le Centre international de recherche sur le cancer. Ça veut dire que c'est une substance ne pouvant être classée du point de vue de sa cancérogénicité pour l'homme. Donc, après avoir vu la toxicité aiguë et la toxicocinétique, la toxicité aiguë et la toxicité chronique du mercure métallique, donc on va faire le lien avec l'amalgame dentaire. Donc, je ne vous apprends rien, comme vous le savez, l'amalgame dentaire, il est formé d'un mélange de mercure liquide, donc à raison de 50% de mercure liquide par amalgame. Et d'autres métaux en poudre, l'argent, notamment l'argent, le cuivre, l'étain. Et l'exposition au mercure à travers les amalgames dentaires, elle constitue à peu près 21% des expositions au mercure. Donc, les amalgames dentaires sont des produits qui sont utilisés dans presque tous les pays, mais d'une façon qui est inégale. Donc, par exemple, pour les pays nordiques, notamment la Norvège, la Suède et le Danemark, donc ils ont déjà arrêté, par exemple, pour la Norvège et la Suède en 2000, l'utilisation des amalgames dentaires, et en 2010-2011 pour la Norvège. Qu'en est-il du risque mercuriel et amalgame dentaire? D'abord, pour la population générale, plusieurs études ont montré un relargage de mercure à partir des amalgames dentaires dans la cavité buccale, qui est ensuite inhalée puis absorbée. La quantité absorbée par jour est évaluée en moyenne de 5 microgrammes par jour. Elle est corrélée avec le nombre d'amalgames portés. En population générale, les seuls effets démontrés du port d'amalgame sont des effets locaux, avec des réactions inflammatoires à type de pupite et de lichen plan qui disparaissent en quelques mois après le retrait de l'amalgame. Excusez-moi, ça, ce n'est pas la prothèse, mais c'est l'amalgame. Donc, plusieurs auteurs ont invoqué un effet neurotoxique, surtout dans des maladies neurodégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Un effet aussi néphrotoxique, immunotoxique ou toxique pour la reproduction qui est lié au port d'amalgame dentaire, mais ces hypothèses n'ont pas été démontrées. Concernant les professionnels de la médecine dentaire, l'atteinte neurotoxique chez les dentistes exposés de manière significative au mercure est bien établie dans la littérature. C'est pourquoi il y a eu déjà en 1997 le consensus de l'OMS sur les amalgames dentaires qui dit que si les conditions de travail ne sont pas convenablement organisées, un risque sanitaire possible de l'exposition au mercure existe pour le personnel de santé bucco-dentaire. L'application de règles d'hygiène propres au mercure et notamment le contrôle des vapeurs de mercure dans l'environnement professionnel des cliniques dentaires réduira de façon significative l'exposition au mercure. Donc, c'était en 1997. Bien après, en 2013, donc la communauté scientifique internationale, à travers, donc, ils, ont décidé donc d'adopter la convention de Minamata. Donc, cette convention qui est dans les objectifs et la lutte contre l'exposition au mercure. Donc, elle a été signée par le Maroc en juin 2014 et elle est actuellement en instance de ratification par le Maroc. Et comme j'ai dit, l'objectif est protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et des composés du mercure. Dans la convention de Minamata, il y a un chapitre
qui traite du risque de l'amalgame dentaire dans la Convention, donc, et qui incite les pays à prendre des mesures pour éliminer progressivement l'utilisation de l'amalgame dentaire. Et parmi ces mesures, donc, il y a 9 mesures. D'abord, il faut d'abord définir les objectifs nationaux de prévention pour les caries et la promotion d'hygiène dentaire. Il faut réduire l'utilisation autant que possible de l'amalgame dentaire. Il faut utiliser des matériaux de restauration économique et cliniquement efficaces qui ne contiennent pas de mercure. Il faut promouvoir les activités de recherche pour développer des matériaux de restauration qui ne contiennent pas de mercure. Il faut encourager les organisations professionnelles représentatives et les écoles de médecine dentaire à éduquer et former les professionnels du secteur dentaire et les étudiants à l'utilisation de matériaux sans mercure et à la promotion de meilleures pratiques de gestion. Il faut décourager les polices d'assurance et programmes qui privilégient les amalgames plutôt que les matériaux de restauration sans mercure. Encourager les polices d'assurance et programmes qui favorisent l'utilisation de matériaux de restauration de qualité sans mercure. Il faut restreindre l'utilisation d'amalgames dentaires à leur forme encapsulée, donc ne pas utiliser la forme en vrac. Promouvoir l'utilisation des meilleures pratiques environnementales dans les établissements de soins dentaires afin de réduire les rejets de mercure et de composés de mercure dans l'eau et dans le sol. L'Union européenne, donc déjà, pour répondre à ces dispositions, a interdit à partir du 1er juillet 2018 l'utilisation d'amalgames dentaires dans les traitements dentaires sur les dents de lait, ainsi que dans les traitements dentaires des mineurs de moins de 15 ans et des femmes enceintes et allaitantes. Donc, mais aussi, elle est allée au-delà. Donc, l'article 19, il dispose que la Commission, elle fera rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2020 sur la faisabilité de l'abandon progressif du recours aux amalgames dentaires à long terme et de préférence d'ici 2030 dans l'Union européenne. Donc, on va voir par la suite dans la présentation de Madame Soleimani, donc quelles sont les mesures qui ont été prises au niveau du Maroc concernant la diminution de l'utilisation de l'amalgame dentaire par les professionnels dentaires. Donc, en conclusion, on a vu que les toxicités des vapeurs de mercure métallique, qui est le principal composant de l'amalgame dentaire, cette toxicité, elle est bien établie. Que la Convention du Minamata est un instrument juridique international qui vise à limiter l'exposition au mercure elle a été adoptée par plusieurs pays, dont le Maroc. Et dans notre pays, dans notre contexte, il faut accélérer les mesures en vue de répondre aux dispositions de la Convention et aussi pour protéger la santé des professionnels contre le risque mercuriel, et je vous remercie. Merci, docteur Hanan. Merci de... Vous avez bien respecté le timing de 15 minutes. Merci pour cette présentation riche et claire sur la toxicité et les tableaux donc cliniques de la toxicité aiguë et chronique du mercure. Aussi pour cette présentation de l'état des lieux de la réglementation des amalgames dentaires à l'échelle internationale. Maintenant, la question qui se pose, y a-t-il un moyen d'évaluation de ces expositions au mercure? Et j'invite chaleureusement Dr Nargis Badran pour présenter le rôle et l'apport du laboratoire dans la prise en charge des expositions au mercure. Dr Nargis Badran est médecin spécialiste en toxicologie et est ancienne interne du CHU Ibn Sina, diplômée en biostatistique à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et diplômée en communication et méthodologie de recherche de l'Université de Bordeaux et aussi en toxicologie médico-légale de Forensic Institute Charité à Berlin. Elle a une expérience en toxicologie clinique et en analyse pharmacotoxicologique, notamment la chromatographie, la spectrométrie de masse et le dosage des éléments traces métalliques, et en toxicologie expérimentale avec plusieurs publications à l'échelle nationale et internationale. Actuellement, elle occupe, et depuis 2015, le poste de responsable de laboratoire de pharmacotoxicologie au sein du Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc, et elle occupe aussi le poste de secrétaire général de la SMTCA et de l'AMESTOX. Je laisse la parole à Dr Nargis Badran. À vous la parole. Merci beaucoup, Dr Iken. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ma présentation?
il faut la partager. C'est... Je l'ai déjà partagée en fait. Donc c'est le partage seulement de Google Meet. Oui. Si vous pouvez partager. Voilà. Donc, une fenêtre. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez la présentation? Parce qu'on me dit que je suis en train de présenter à tous les participants. Il faut y aller sur la présentation, sur oui. Ouvrir sur votre présentation. C'est déjà ouvert. Je ne sais pas pourquoi ça... Je pense qu'il faut y aller à la présentation directement au PowerPoint. Une fois que vous partagez... Est-ce que Madame Chaoui a arrêté sa présentation? Oui, oui, je l'ai déjà arrêté, professeur oui. Souleymane. Donc, tu peux partager la présentation, partager tout l'écran. D'accord, j'ai mis l'intégralité de votre écran. L'intégralité de l'écran, oui. Et tu vas faire la diapositive. Et après, je mets oui. Partager. Voilà, il est en train de se télécharger. Oui. Il n'y a rien. Voilà, non, tu vas allez... la diapositive. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que... C'est bon. C'est bon, bon oui. Vous arrivez à voir la oui. Présentation en mode diaporama, c'est ça? Exactement. Il faut d'accord, juste oui. Voilà, masquer le, oui, la oui, barre. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, merci. Voilà, merci à vous, merci à vous. Donc, honorable assistance, chers collègues, je suis heureuse de vous présenter l'apport du laboratoire dans la prise en charge des expositions au mercure après l'excellente intervention de ma collègue Dr Chaoui qui a présenté la toxicité globale du mercure et particulière de l'amalgame dentaire. En effet, les expositions au mercure, comme ça a été dit, constituent un réel problème de santé publique dans le monde, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Et le dosage du mercure au niveau des matrices, que ce soit humaine ou environnementale, a un intérêt majeur dans, d'une part, le diagnostic des cas d'intoxication, les cas d'intoxication aiguë et également chronique, et donc une prise en charge adaptée, mais également, d'autre part, dans l'abus surveillance, que ce soit à l'échelle de la population générale. Et il y a des pays qui ont adopté des programmes de surveillance des métaux lourds à l'échelle de la population générale, et notamment la surveillance du mercure. Il y a également l'abus de surveillance dans une sous-population. C'est surtout les populations qui sont vulnérables vis-à-vis de la toxicité du mercure, comme ça a été dit par Dr Chaoui, par exemple la femme enceinte, allaitante ou bien les enfants de bas âge. Il y a également le biomonitoring chez les travailleurs, donc qui sont... exposés dans leur poste de travail au mercure dans ces différentes formes et également différentes voies, notamment les dentistes. Alors, dans ma présentation, je vais présenter une revue de la littérature de 2000 à 2020. Donc, on a interrogé les bases de données de Medline et de Cochrane Reviews et Google Scholar pour répondre à quatre questions, qui sont les matrices humaines et environnementales disponibles pour faire le dosage du mercure, les méthodes de dosage du mercure, ainsi que l'interprétation des résultats, que ce soit en population générale ou bien en milieu professionnel, et à la fin, les études qui ont été réalisées pour évaluer l'exposition chez le personnel dentaire. Concernant les matrices humaines qu'on peut utiliser pour doser le mercure, en fait, le choix, il va dépendre du délai après l'exposition, est-ce que c'est une exposition chronique ou aiguë, mais également le type du mercure et donc la source de contamination, est-ce que c'est le méthylmercure, le mercure inorganique ou métallique. Et parfois, on serait amené donc à choisir une matrice humaine pour des études spécifiques chez des populations particulières. Par exemple, si on veut faire donc le dosage du mercure chez la femme allaitante, on va choisir par exemple le lait maternel. Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs matrices humaines où on peut faire le dosage du mercure, à savoir les urines, le sang, le liquide céphalo-rachidien, les ongles, les cheveux, donc le sang du cordon ombilical ou bien le tissu du cordon ombilical, le méconium et le lait maternel. Pour l'échantillon sanguin, il va donc nous
donc nous exposer en fait ou bien nous dire, c'est-à-dire des données par rapport à l'exposition récente, c'est-à-dire de moins d'une semaine. Donc c'est une matrice qui est très intéressante pour les intoxications aiguës, pour les expositions de la semaine précédente en milieu de travail. Donc on va faire l'échantillonnage en fin de poste ou de semaine en cours. C'est également intéressant pour les expositions fluctuantes et pour le dosage du méthylmercure. Pourquoi ? Parce que le méthylmercure, il n'est pas éliminé au niveau urinaire. Donc, on est obligé de faire le dosage dans notre matrice, notamment le sang. Actuellement, pour les patients, bien la population qui présente une quantité minime de sang, comme les nouveau-nés, on peut utiliser des techniques nouvelles comme la tache de sang séché ou bien ce qu'on appelle le dried blood spot. C'est une petite quantité de sang qu'on va donc mettre dans du papier buvard et l'utiliser pour faire l'analyse du mercure. Concernant les urines, c'est surtout pour les expositions anciennes et constantes en milieu professionnel. Il faut attendre en général plus de 3 mois en milieu professionnel pour faire le dosage au niveau urinaire et l'interpréter. Donc, c'est des expositions à des doses faibles. Concernant le mercure inorganique et métallique, et l'échantillonnage va se faire le matin avant la prise du poste. Et il faut utiliser un conservateur parce que les urines sont rapidement, c'est-à-dire le mercure plutôt, il est rapidement dégradé au niveau des urines. Pour les cheveux comme matrice donc alternative au sang et aux urines, donc il s'agit d'une matrice qui est non invasive, qui est facile à conserver et il va donc nous permettre de comprendre l'histoire de l'exposition au méthylmercure qui est ancienne chez la population générale. Pourquoi ? Parce que tout simplement plus de 80% du méthylmercure va être incorporé au niveau du cheveu. Mais là, on a un petit souci par rapport à cette matrice, c'est les problèmes de contamination qu'on peut gérer grâce au contrôle de qualité. Concernant les ongles et le lait maternel, ils vont nous renseigner sur l'exposition chronique. Et pour les ongles, c'est une matrice qui est simple, qui est non-invasive, qui est facile à conserver, mais on a un problème de contamination comme les cheveux. Pour le lait maternel, c'est surtout pour estimer les expositions maternelles, mais également prédire l'exposition des nourrissons qui sont allaités. Pour le sang du cordon ombilical, c'est surtout pour les expositions fœtales sur une période plus longue et c'est un meilleur indicateur du risque de neurotoxicité fœtale. Pour le tissu du cordon ombilical, c'est surtout les expositions fœtales, mais surtout au cours du troisième trimestre. Il ne va pas nous renseigner sur. C'est également une meilleure matrice pour l'évaluation prénatale de l'exposition au mercure et au méthylmercure. Et pour le liquide céphalorachidien, le LCR et les échantillons de cerveau, donc c'est surtout pour les études des effets neurotoxiques, mais on a un peu un souci par rapport à l'accès limité à ce type d'échantillon. Le risque d'interférence et de stabilité qui est limité, et ça nécessite des techniques analytiques qui sont sophistiquées. Concernant les matrices environnementales, on peut faire le dosage du mercure dans les produits de pêche. Et donc à l'échelle internationale, la réglementation exige que donc on fait un contrôle du taux de méthylmercure au niveau des produits de pêche qui sont destinés à la consommation. On peut faire également le dosage au niveau de l'eau, sol, sédiments. Dans certaines plantes comme les lichens, parce qu'ils absorbent le mercure qui se trouve dans l'environnement, donc on peut évaluer la contamination de l'air à travers l'analyse de ces plantes. Et on a l'exposition professionnelle, on peut analyser le mercure au niveau de l'air. Une fois on choisit la matrice ou les matrices où on va doser le mercure, il est très intéressant de suivre strictement les modalités de prélèvement et d'acheminement. Pourquoi ? Parce qu'il faut éviter toute contamination externe et tout changement physique ou chimique durant le transport ou la conservation. Pour ça, que ce soit l'environnemental, que ce soit trisine, biologique, donc il y a des procédures, des manuels de prélèvement, des guidelines qui sont donc disponibles et des procédures de laboratoire. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé en 2018, elle a édité les procédures opératoires standardisées pour tout ce qui est dosage prénatal du mercure.
Concernant les méthodes analytiques, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes de dosage qui ont été proposées dans la littérature dans différentes matrices. Le plus important, c'est quand on choisit la méthode, il faut choisir la méthode de préparation adéquate. Donc, ça va dépendre de la complexité de la matrice et de la méthode de dosage utilisée. Donc, soit on va faire une simple préparation par dilution, ou bien une digestion acide, ou bien une amalgamation. Si on veut doser, bien sûr, le mercure total, mais si on veut doser un type de mercure, par exemple le méthylmercure, c'est ce qu'on appelle la spéciation du mercure, on est obligé d'ajouter ce qu'on appelle les isotopes. Comme je l'ai dit, les méthodes analytiques, vraiment, ils sont abondantes dans la littérature. On a plusieurs méthodes. Actuellement, on a même des analyseurs de mercure qui sont portatifs, donc qui permettent de faire le dosage in situ, au niveau, par exemple, du milieu de travail. Le plus important, c'est de toujours réaliser le contrôle de qualité interne et externe pour avoir des résultats fiables. Concernant l'interprétation des résultats, pour les expositions aiguës, il y a plusieurs cas qui ont été décrits dans la littérature où les taux de mercure au niveau sanguin et au niveau urinaire dépassent largement les doses ou bien les concentrations qu'on trouve au niveau des guidelines ou bien au niveau par exemple, qui sont édités par l'Organisation mondiale de la santé. En 2018, il y avait un cas qui a été un cas de littérature qui a été publié et on parle d'une intoxication aiguë au mercure avec un taux de mercure sérique ou bien au niveau du sang qui dépasse les 10 microgrammes par litre, donc c'est 110 microgrammes par litre. Un autre cas qui a été publié également dans la littérature, il s'agit d'un accident d'ingestion par d'ingestion chez un professeur accidentellement de mercure. Et là, on trouve des taux sanguins qui sont vraiment très élevés à 2700 microgrammes par litre. Concernant les expositions chroniques, il faut savoir qu'à l'échelle internationale, selon les réglementations des pays, il y a des valeurs biologiques d'interprétation et des valeurs biologiques limites, que ce soit chez la population générale ou bien chez les travailleurs. Par exemple, pour le mercure urinaire, pour le CDC, le Centre des maladies au niveau des États-Unis, pour le mercure urinaire, il ne doit pas dépasser chez la population générale adulte 1,8 microgrammes par litre. Pour les normes belges, en fait, ça ne doit pas dépasser 1,9 microgrammes par litre. Une étude qui a été réalisée dans le nord de la France a montré que le taux de mercure urinaire ne doit pas dépasser 6,6 microgrammes par litre. Et pour les Allemands, c'est 7 microgrammes par litre. Comme je l'ai dit, pour les résultats en milieu professionnel, on va les interpréter selon la réglementation de chaque pays. Par exemple, pour la Finlande, on parle au niveau urinaire de 28 microgrammes par litre. Au niveau de la France, au niveau sanguin, ça ne doit pas dépasser 25 microgrammes par litre. Pour les États-Unis, c'est 20 microgrammes par gramme de créatinine concernant le mercure inorganique. Et pour l'Espagne, c'est 30 microgrammes par gramme de créatinine concernant le mercure inorganique au niveau urinaire et 10 microgrammes par litre concernant le mercure sanguin. Il y a également des valeurs limites de mercure qui sont décrites dans les différents guidelines et dans l'air. Donc, que ce soit pour l'exposition au niveau du milieu de travail ou bien les expositions chez la population générale. Qu'en est-il de l'exposition au mercure chez le personnel dentaire? Il faut savoir que la bibliographie est riche des études qui ont été réalisées chez le personnel dentaire afin d'évaluer le taux du mercure dans les différentes matrices. Donc, différentes matrices ont été choisies, à savoir l'urine, le sang, les ongles, les cheveux et l'air. Concernant l'air, il y avait une étude qui a été réalisée en 2010 et qui a montré que dans les lieux de travail dentaire, ça dépassait largement la dose recommandée qui est de 200, bien la concentration recommandée qui est de 200 microgrammes par mètre cube d'air. Et une étude qui a été réalisée chez les étudiants dentaires et qui a montré que ces étudiants, ils sont exposés à des concentrations dans les vapeurs de mercure qui dépassent les normes.
Une étude récente, en fait, qui a fait une revue, c'est une revue de la littérature concernant les expositions chez le personnel dentaire jusqu'à 2015, a montré que dans la plupart des études, on a un taux qui est élevé par rapport à la population générale, quel que soit, donc c'est-à-dire quelle que soit la matrice choisie. En 2020, il y avait une méta-analyse qui a été réalisée en Iran, donc pour voir un petit peu les différentes études qui ont été réalisées au niveau de l'Iran, en Iran, pour évaluer les taux de mercure dans les matrices biologiques. Et ça a montré que la concentration moyenne de mercure dans les échantillons biologiques des professionnels dentaires était plus élevée que la norme de l'Organisation mondiale de la santé. Donc voilà, le dosage du mercure dans les différentes matrices selon la circonstance et l'ancienneté de l'exposition reste un élément clé dans la prise de décision, que ce soit le diagnostic ou le dépistage, le traitement et aussi le suivi. Le progrès considérable dans les techniques d'analyse toxicologique a permis donc de faire le dosage du mercure dans différentes matrices et également de faire le dosage des différentes formes de mercure, ce qu'on appelle la spéciation du mercure. Et le dosage du mercure, bien sûr, garde sa place dans le suivi d'exposition chez le personnel dentaire. Et je vous remercie. Merci docteur Nargis Badran pour cette excellente présentation. Merci pour les explications claires et précises, surtout d'ordre analytique, qui ont mis le point sur le choix des matrices biologiques pour le dépistage de l'exposition au mercure, les techniques d'analyse utilisées et les références d'interprétation, et aussi l'intérêt que présente l'analyse toxicologique pour la détection de l'exposition au mercure chez les dentistes. Je passe maintenant la parole à Dr Benani pour donc la suite pour présenter la suite des conférenciers. Merci. À vous. Bonjour la parole, Dr Benani. Merci docteur, bonjour tout le monde. Madame la présidente du Centre anti-poison et pharmacovigilance du Maroc, Dr Naïma Ranem. Madame la présidente de l'AMESTOX, Madame la doyenne de la Faculté de médecine publique de Rabat, professeur Nawal Bouhiavi. Madame la doyenne de la Faculté de médecine dentaire privée de Rabat, professeur Amzian. Mesdames et messieurs les conférenciers, aimable assistante sur le webinaire. En tant que président du syndicat des médecins dentistes privés de Rabat et en tant que deuxième vice-président de la Fédération nationale des médecins dentistes privés du Maroc, je tiens d'abord à exprimer ma joie d'être si bien entourée par mes honorables professeurs lors de mon passage universitaire au sein de la Faculté de médecine dentaire, de rappeler professeur Amzian et professeur mes professeurs dont je suis fière aujourd'hui parce qu'elles me représentent autant que médecin dentiste, soit à l'échelle nationale et internationale, et assurent majestueusement le poste de responsabilité qu'elles occupent. Donc, et par la même occasion, je tiens à vous présenter un bref aperçu sur la fédération et ses attributions. Cette fédération à laquelle j'appartiens est avec fierté. Donc la Fédération nationale des médecins dentistes privés du Maroc a été créée en 1998 et englobe actuellement 23 syndicats régionaux. Son seul et unique objectif, c'est évidemment défendre l'intérêt du médecin dentiste, et ceci par un travail sans relâche sur différents dossiers. Je pourrais citer les plus importants et les plus contemporains: la couverture médicale, la retraite des médecins dentistes, la lutte contre l'exercice illégal, la contribution active dans le volet de la formation continue. Elle veille aussi sur la promulgation d'un nouveau texte de loi d'exercice de la médecine dentaire. Et je ne pourrais évidemment parler de la fédération sans citer notre président, Dr Jet Ofir, qui est notre parrain, notre leader. Et au nom du syndicat de Rabat et de tous les autres syndicats, je le remercie et je lui exprime ma gratitude et ma reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous, au détriment de sa santé, son temps et son travail. Et je suis également ravie de passer la parole à mon confrère et ami Dr Moussafir, qui a accepté généreusement d'animer sa conférence intitulée « La gestion de l'amalgame de A à Z au sein du cabinet dentaire ». Dr Moussafir, dont l'historique professionnel est loin d'être léger, son appartenance syndicale et fédérale depuis
de belles décennies déjà. Ainsi, son appartenance ordinale autant que vice-président de l'Ordre des médecins dentistes lui confère une aisance et un savoir professionnel très, très glorieux. À vous, cher docteur Moussafer. Merci, Madame la Présidente. Voilà, vous voyez, c'est bon? Oui, c'est très bien. D'accord. Madame la Présidente, chers orateurs, chers consoeurs et confrères, c'est pour moi un motif de fierté de prendre part à ce webinaire scientifique organisé par l'AMSETOX, Association marocaine santé et environnement et toxicovigilance, en collaboration avec le CAPM et la faculté de Notre-Dame de Connaître. Il s'agit d'un carrefour d'échanges, autrement dit, d'une tribune pour les universitaires et les acteurs de débattre d'une thématique fort intéressante intitulée « Pour une utilisation rationnelle de l'amalgame dentaire ». Dans ce sens, j'espère que ce forum constituera un rendez-vous permanent et également un espace d'échange d'idées, d'expertise dans tous les domaines. À cette occasion, je tiens à remercier Madame le professeur Rachida Souleimani, la directrice du Centre Antipoison, et le docteur Naïma Ghanem, présidente de l'AMSETOX, qui a organisé de main de maître cet événement scientifique. Également, docteur Hind Benani, président du syndicat des médecins dentistes de Rabat, qui n'a pas lésiné sur ses efforts pour me prêter main forte. Et mon ami, le docteur Tofiq Ljay, le fondateur de la fédération et le président à l'heure actuelle de la fédération, qui a donné son aval sans tergiverser et m'a encouragé pour animer cette présentation. Sans oublier de remercier tous les orateurs de renommée nationale et internationale, les chercheurs, les doyennes des facultés de médecine dentaire publique et privée et tous les experts pour leur contribution fort précieuse dans l'enrichissement de ce débat. Je suis fier de voir parmi ce webinaire, je suis fier de voir des femmes compétentes de haut niveau. Vous n'êtes pas sans savoir que l'amalgame est le plus ancien matériau de restauration coronaire il y a près de 2 siècles. Cependant, il a toujours soulevé la polémique en raison du mercure qu'il contient, près de 50%. On lui reproche une toxicité systémique pour le patient et pour l'équipe médicale exposée constamment à la vapeur mercurielle libérée lors des étapes de trituration, condensation, finition, particulièrement lors de la dépose. Nous savons que l'utilisation de l'amalgame est en réduction régulière au monde, en Europe et également dans notre pays depuis de nombreuses années, et ceci en raison des exigences esthétiques des patients. Dans ma présentation, je vais détailler les précautions et les protocoles à mettre en œuvre, surtout lors de la dépose, pour gérer le risque mercuriel au sein des cabinets dentaires en se basant sur des études et des recherches bibliographiques récentes, nationales et internationales. Comme vous voyez, un certain nombre d'articles et d'émissions dans les médias semblent accréditer l'idée de risque pour la santé des patients du fait de la composition des amalgames dentaires et en particulier de la présence de mercure. En fait, un débat contradictoire s'est instauré entre chercheurs. Tout d'abord, tous s'accordent pour dire qu'avec le temps et la mastication, le mercure emprisonné dans l'amalgame est relâché dans la salive, puis dans tout l'organisme en quantité infime. Les divergences entre scientifiques concernent les effets de mercure sur le corps humain. Certains affirment qu'il peut déclencher des maladies graves d'ordre général chez les patients. D'autres, une majorité, estiment en revanche qu'aucun lien ne peut être démontré entre ces maladies et la présence dans la bouche des patients d'amalgame dentaire. Ceci ne serait pas plus dangereux que le mercure existant dans l'environnement, l'atmosphère, la nourriture, vous l'avez déjà signalé tout à l'heure, les poissons, etc. Tant qu'aucun consensus n'existe entre les scientifiques, nous, praticiens, sommes donc confrontés au choix très délicat entre des travaux alarmistes d'un côté et complètement rassurants de l'autre. Le problème est d'autant plus épineux qu'un certain nombre d'éléments viennent compliquer la situation. Il faut enlever les amalgames existants dans des conditions très strictes. Sur ce point, il est important que le cabinet du praticien soit équipé de tout le matériel nécessaire afin de réaliser ce dépôt en toute sécurité.
Enfin, j'aimerais bien vous signaler la déclaration de la FDI qui plaide pour une réduction progressive continue de l'utilisation des amalgames dentaires, qui vont préparer une prochaine conférence des parties, c'est-à-dire COP4, à la convention de Minamata sur le mercure qui aura lieu, je pense, à Bali, en Indonésie, du 1er au 5 novembre 2021 prochain. La FDI, qui est la Fédération dentaire internationale, a invité les membres à fournir des informations sur la disponibilité, la faisabilité technique et économique des solutions de remplacement sans mercure des amalgames dentaires, ainsi que leurs risques et avantages pour la santé et l'environnement. La FDI estime que la réduction progressive du mercure doit être adaptée au contexte national de chaque pays, mais surtout que les stratégies doivent se fonder sur des données scientifiques probantes et récentes, permettant aux dentistes d'avoir accès à des matériaux alternatifs sûrs, efficaces et abordables, ainsi qu'à une formation appropriée de leur utilisation. La FDI a soumis la déclaration suivante pour les travaux intersessions liés aux amalgames dentaires, sous le point « Information sur les alternatives sans mercure aux amalgames dentaires ». Elle recommande ce qui suit. Premièrement, investir dans la prévention des maladies et la promotion de la santé. Secondo, travailler avec toutes les parties prenantes concernées pour développer les stratégies les plus durables pour gérer la réduction progressive des maladies dentaires. Troisièmement, accroître la recherche d'alternatives pleinement efficaces aux amalgames dentaires et formuler des recommandations fondées sur des données probantes conformément aux dernières données scientifiques. Quatrièmement, garantir l'accès à des matériaux de restauration alternatifs sûrs, efficaces et abordables. Cinquièmement, mettre en œuvre des stratégies de réduction progressive des amalgames dentaires qui sont les plus appropriées au contexte national. Maintenant, je passe aux précautions et protocoles lors de la dépose. Une étude récente menée par le Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc, la Faculté de médecine dentaire de Rabat et la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat au niveau des cabinets dentaires de Rabat et Khnetra, a révélé que 54% des dentistes utilisent toujours l'amalgame dentaire. 46% des répondants ont déclaré ne plus utiliser l'amalgame dentaire pour restaurer les dents et ils ne font pas l'extraction d'anciens amalgames dentaires. Bien sûr, le risque mercuriel s'amoindrit dans le temps, conjointement à la lente disparition de l'amalgame dentaire. Mais tant que nos patients en seront porteurs, nous serons amenés à les déposer. Il est dangereux d'enlever les amalgames dentaires sans protection adéquate. Il faut enlever les amalgames existants dans des conditions très strictes. Sur ce point, il est important que le cabinet du praticien soit équipé de tout le matériel nécessaire afin de réaliser ce dépôt en toute sécurité. Il nous semble que la protection vis-à-vis du mercure pendant les actes impliquant l'amalgame, plus particulièrement la dépose d'un amalgame, est un aspect globalement négligé dans la profession. Il n'est pas trop tard pour prendre conscience que des moyens permettent de diminuer notre exposition mercurielle. Heureusement que nos médecins dentistes sont conscients de ça. Donc le protocole qui a été préparé a pour but de communiquer aux médecins dentistes les moyens de protection, de les rappeler bien sûr, les moyens de protection lors de la dépose. Mais nous avons des études. Il y a une étude de Brune et collaborateurs en 1980. Ils ont mesuré in vitro la quantité de particules collectées dans la zone de respiration du praticien ainsi que les niveaux de vapeur mercurielle lors de la dépose de vieux amalgames. Lors de la dépose, les microparticules d'amalgame de l'aérosol circulent dans l'air et peuvent être inhalées par le praticien et le patient. Les particules supérieures à 10 micromètres sont généralement filtrées par les voies respiratoires supérieures, où elles seront par la suite avalées. Par contre, les particules plus petites pénètrent dans les bronchioles terminales et s'accumulent dans les alvéoles pulmonaires. La deuxième étude, les particules inhalées de Nimmo en 1990, Nimmo et son équipe ont estimé in vitro les quantités de particules inhalées par le praticien et lors de la dépose sous trois conditions différentes. Fraisage à sec, fraisage sous spray d'eau et aspiration au débit, et fraisage sous spray plus aspiration au débit et digue. La troisième étude, c'est de Bregman en 1995. Les résultats de cette étude montrent que pour le médecin dentiste, la quantité et la taille des particules inhalées restent constantes sous toutes les conditions testées, sous fraisage sec
le patient inhale des particules 4 fois plus grosses et en quantité 4 fois supérieure par rapport au fraisage sous spray associé à une aspiration à haut débit. Dans la troisième condition avec l'usage de la digue, ils ont montré que le patient n'inhale quasiment plus aucune particule. L'utilisation du spray d'eau est indispensable lors de la dépose d'un amalgame. Et une bonne ventilation de la salle de soins permet de diminuer les concentrations de mercure dans l'air. Le fait d'associer une pompe à salive à une aspiration à haut débit permet d'obtenir la meilleure évacuation des débris d'amalgame. L'aspiration reliée au miroir dentaire n'apporte pas de bénéfice. La mise en place d'une digue permet de mieux protéger les patients des inhalations de particules. Et il semble évident que le port du masque par le personnel soignant est indispensable. Pour le matériel, nous utilisons la pompe à salive, qu'elle est insuffisante, est tout de même utile pour évacuer l'air susceptible de contenir des vapeurs de mercure sous la digue pendant la dépose. C'est le premier vrai type d'aspiration chirurgicale qui est apparu. Il comporte un bac de décantation ou séparateur dans lequel l'air est séparé de l'eau et de tous les éléments polluants et un filtre qui retient les plus grosses particules dépassant 1 mm de diamètre. Le bac a un volume important, faisant baisser la vitesse de l'air à tel point que tous les composants polluants, c'est-à-dire l'eau, le sang, les débris de dents et d'amalgame, s'y déposent. Deuxième type d'aspiration, c'est l'aspiration à grande vitesse. Cette aspiration doit évacuer 300 à 400 litres d'air à la minute avec une vitesse de 50 mètres par seconde. Pour éviter les pertes de puissance d'aspiration, elle doit être placée à faible distance du fauteuil et utiliser des tuyaux de diamètre important. Toutefois, plus le diamètre du tuyau est grand, plus la vitesse d'aspiration est faible. Le groupe d'aspiration proprement dit est composé d'un moteur asynchrone ou pompe et d'une roue à palette se mouvant dans le carter de la turbine. Le séparateur est installé sur le fauteuil ou proche de celui-ci et le moteur d'aspiration est installé plus loin dans un meuble isolant du bruit. Lors de l'utilisation de l'aspiration à haute vélocité à air, l'air seul passe dans les tuyauteries et dans la pompe. Ce système présente un gros inconvénient parce que les débris de diamètre inférieur à 1 mm finissent par s'écrouler dans les eaux usées de l'unité. De plus, il faut veiller à ce que l'air provenant de la pompe soit expulsé à l'extérieur du cabinet pour ne pas surpolluer l'atmosphère en mercure. Vous voyez les schémas ici. La canule d'aspiration, qui est optimale des vapeurs de mercure et des particules d'amalgame. La canule doit idéalement être placée à 1 ou 2 cm du lieu de formation de l'aérosol. On trouve actuellement sur le marché des canules jetables et d'autres réutilisables qui supportent la stérilisation. Après la dépose des obturations, il peut rester des débris d'amalgame sur la face interne de la canule qui constitue une réserve de mercure. Aux températures générées par les stérilisateurs, la tension de vapeur de mercure est très importante. Et à l'ouverture de la porte après stérilisation, une quantité massive de vapeur toxique peut se libérer instantanément. Les canules utilisées pour la dépose doivent donc présenter une section ronde, de large diamètre et rectiligne afin de faciliter leur nettoyage et décontamination. Nous avons comme exemple la canule CleanUp que vous voyez ici. Elle est composée, comme vous voyez sur le slide, d'un embout amovible à usage unique, articulé autour d'un axe permettant une légère rotation que l'on place directement sur la dent concernée. D'une canule réutilisable qui se connecte au tuyau d'aspiration, l'embout clipsé sur la dent permet de maintenir l'aspiration au plus près de la fraise et ainsi d'aspirer immédiatement les vapeurs du mercure et les particules. Cette canule n'a pas besoin d'être maintenue, ce qui est un avantage non négligeable en l'absence d'assistante au fauteuil. Par ailleurs, les tissus mous sont protégés de la fraise, car le travail s'effectue dans le cadre de l'embout. Cependant, ce système est encombrant et ne permet qu'un accès occlusal. D'autre part, l'angulation au niveau de la connexion de l'embout et la section rectangulaire de la canule favorise la rétention de particules et ne facilite pas son nettoyage. Les fraises utilisées sont pourvues de lames qui leur permettent de travailler par enlèvement de copeaux. L'échauffement et les vibrations sont nocifs pour ce type de fraises. Les vibrations seront contrôlées par une pression et une vitesse constantes. La sensation de changement sonore ou de tremblement de notre instrument
montre un danger de dégradation précoce. L'échauffement sera endigué par une irrigation généreuse. Jamais d'ultrason ou de laser pour la dépose de l'amalgame. Ça, c'est un point capital. Quelles sont les caractéristiques de cette fraise? Le tranchant est accentué sur la pointe de l'instrument comme vous voyez ici, permettant un forage axial et une faible résistance à la pénétration. Présent une géométrie de coupe particulière, il y a une succession de prismes coupants en forme de pyramide, permettant de déposer efficacement l'amalgame et assurant une évacuation régulière de copeaux. Cela évite l'encrassement de la surchauffe de l'instrument, présente donc une haute résistance à la fracture. La fraise travaille, pour vous rappeler, sans vibration. Pour la manipulation de la fraise, comme vous voyez sur le slide, il faut introduire la fraise H32 dans l'obturation dans le sens axial ou incliné. En fonction des dimensions de l'obturation, réaliser plusieurs tailles longitudinales et transversales. Le fait de fragmenter l'obturation permet de retirer plusieurs morceaux de la cavité. Puis éliminer les restes d'obturation à l'aide d'un instrument à main appropriée ou avec la fraise H32. La vitesse recommandée est de 160 000 tours par minute avec contre-angle multiplicateur. Cette vitesse est un bon compromis entre la chaleur dégagée, les vapeurs de mercure émises et la performance de coupe. La fraise H32 s'utilise bien sûr également sur turbine. Toujours bien refroidir à l'eau pour limiter encore davantage le dégagement thermique, 50 ml par minute minimum, et utiliser la H32 à faible pression. L'amalgame devra être fraisé à minima et l'objectif sera de l'expulser de la cavité en bloc, les plus grands possibles pour éviter au maximum la formation de vapeur de mercure ainsi que de particules. Il pourrait être intéressant de le détourner, mais cela peut aller à l'encontre des principes de conservation tissulaire. L'utilisation d'une fraise fine devra être privilégiée. À chaque séance, un seul amalgame est retiré. Cela pour éviter trop de volatilité du mercure. Si plusieurs amalgames doivent être enlevés, les séances sont espacées d'au moins 3 semaines. Le spray agit de 2 façons. Projeté au niveau de l'interface amalgame 13, il réduit l'échauffement consécutif au fraisage. Il limite ainsi la libération de vapeur mercurienne et lutte contre une possible agression pulpaire liée à l'élévation de la température. L'eau permet aux particules d'amalgame produites de se lier entre elles pour former des agglomérats plus facilement évacués par l'aspiration. Pour une bonne irrigation, la quantité d'eau dans le spray du contre-angle doit être maximale. De plus, ce dernier peut être complété par le spray RO du fauteuil, maintenu par l'assistante le plus près possible de la fraise. La feuille de digue est le plus souvent fabriqué en latex, mais il en existe 100 pour les personnes allergiques. Il existe de nombreux types et formes de digues, mais elles sont généralement carrées, mesurent de 12 à 16 cm de côté, et leur épaisseur varie. La digue permet d'isoler une ou plusieurs dents pour obtenir un champ opératoire étanche, exempt de salive. Un cadre en plastique ou métallique la maintient en place. Il existe aussi des digues liquides pour parfaire l'étanchéité d'un champ opératoire quand cela est nécessaire. Ces dernières se présentent sous forme de seringues et sont en résine photopolymérisable à viscosité modérée et à faible exothermie. Bon, nous allons passer aux équipements de protection individuelle. Une étude a montré que les particules émises pendant la dépose peuvent se propager de la bouche au genou du patient, ainsi que sur le thorax, les épaules et le cou de l'équipe soignante. Les équipements de base du chirurgien dentiste ou du médecin dentiste, tels que les lunettes de protection et gants, sont de rigueur, mais d'autres comme les masques chirurgicaux et blouses sont insuffisants pour se protéger lors de cet acte. Les masques chirurgicaux ne filtrent pas du tout le mercure. Depuis 1983, il est recommandé d'utiliser des masques filtrant le mercure. Il convient de prioriser l'utilisation de masques filtrant les particules solides d'efficacité P2 ou P1 avec une couche de charbon activée. Le masque doit former donc un joint étanche tout autour de la bouche et du nez. Il existe actuellement des masques jetables FFP et des masques réutilisables P qui sont soit des demi-masques bouche-nez, soit des masques complets bouche-yeux auxquels on ajoute des cartouches filtrantes. Ils répondent à des normes différentes en fonction de leur utilisation.
Il n'existe pas de recommandation officielle concernant le port d'un masque pour protéger le personnel des cabinets dentaires et le patient. Mais on trouve des normes respiratoires européennes concernant les équipements de protection individuelle, ainsi que des filtres anti-gaz spécifiques pour les vapeurs de mercure. Ce sont les filtres mercure P3, code couleur rouge-blanc. Par précaution, on pourrait donc utiliser ce type de matériel. Par exemple, une société, sans faire de la pub, fabrique un demi-masque avec une cartouche au mercure et le pré-filtre associé destiné à éliminer les particules de 0,3 mm. Par ailleurs, il a été montré que l'utilisation du filtre naso au charbon actif par le patient et le dentiste minimiserait l'absorption de vapeur mercurielle et réduit fortement la pénétration de mercure dans les poumons et le cerveau. Les filtres naso à large spectre protègent également des particules et des gaz. Pour protéger le patient, on peut aussi poser un masque jetable au charbon actif sur le nez et les yeux pendant la procédure de dépose. Ce même type de masque peut aussi être utilisé par le personnel à proximité et certains d'entre eux peuvent être utilisés pendant une centaine d'heures. Idéalement, il faudrait utiliser un masque nasal pour délivrer de l'air ou de l'oxygène aux patients grâce à une source externe. L'usage de canules nasales est aussi une bonne alternative. La blouse de protection, comme vous voyez ici, le personnel soignant doit se munir de surblouses de type casaque chirurgical, protégeant les bras et recouvrant le plus possible les vêtements. Je pense que nous avons utilisé ça dans cette pandémie, le COVID-19, le plus possible. Donc, elle doit être à usage unique pour se débarrasser rapidement des contaminants projetés sur celle-ci. Un calot chirurgical à usage unique, aussi appelé Charlotte, servira à la protection des cheveux. Le champ opératoire, pour protéger au mieux le patient, il convient de lui couvrir le visage et le corps avec un ou des champs chirurgicaux étanches pour empêcher les éclaboussures de particules d'amalgame de se déposer sur ses vêtements, ou sa peau, ou les yeux d'elle. Il existe aussi des kits à usage unique, comprenant une combinaison à capuche, une paire de survêtements en plastique, ainsi qu'une paire de gants en vinyle. Passons maintenant à un point très important qui est le traitement des déchets mercuriels. En France, l'arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'élimination des déchets d'amalgame issus des cabinets dentaires légifère la collecte et le traitement des déchets mercuriels. Il indique que ces déchets doivent être séparés des autres et conditionnés dans des emballages identifiés à usage unique, étanches à l'eau en toute position, résistants à la perforation, stables et présentant une fermeture provisoire et une inviolabilité complète lors du transport. Le séparateur d'amalgame ou récupérateur d'amalgame, c'est un dispositif qui est imposé en France aux médecins dentistes depuis l'arrêté du 30 mars 1998, afin de protéger l'environnement. Empêche les déchets solides d'aller dans le réseau classique des eaux usées. Il retient, quelles que soient les conditions de débit, 95% au moins en poids de l'amalgame contenu dans les eaux usées. Il est installé le plus près possible de la confluence des sources de rejet. Le transit et la collecte des déchets d'amalgame sont réglementés, sauf exception. Les déchets d'amalgame collectés au cabinet dentaire ne peuvent pas être apportés directement dans une unité de traitement valorisation. L'appel à une plateforme de transport et regroupement est une obligation. Le dentiste est garant de l'élimination de ces déchets mercuriels et il lui appartient de vérifier que le prestataire respecte bien la réglementation en vigueur. Les déchets d'amalgame font partie des déchets à risque chimico-toxique. Le risque toxique mercuriel prévale sur le risque infectieux. Les dents extraites porteuses d'amalgame doivent être éliminées dans la filière des déchets d'amalgame. Le suivi de l'ensemble de la filière de valorisation des déchets d'amalgame est réalisé via des bordereaux qui doivent être conservés 3 ans par les praticiens. On a montré précédemment, pour la décontamination de l'air, on a montré précédemment que les concentrations atmosphériques en mercure dans les cabinets dentaires augmentaient lors de tout travail sur l'amalgame, plus particulièrement lors de la dépose. Il s'agit donc de faire descendre rapidement ces concentrations pour s'exposer le moins longtemps possible. Au-delà de l'ouverture de la fenêtre, d'autres stratégies d'élimination du mercure consistent à purifier l'air ou à l'évacuer de la salle de soins. Plusieurs sociétés fabriquent des purificateurs d'air
à grand volume adaptés aux cabinets dentaires. L'autre véritable problème qui trait à la gestion des déchets d'amalgame produits par les cabinets dentaires au Maroc. Une enquête qui s'est déroulée entre le 15 avril et le 15 juillet 2017, si je n'oublie pas, et qui a ciblé les médecins dentistes exerçant dans le privé et le secteur public. Un questionnaire a ainsi été établi pour évaluer la situation de la gestion des déchets mercuriels dans les cabinets dentaires et sensibiliser les dentistes à l'importance de cette gestion. Il en résulte que 42% des médecins dentistes jetaient les déchets d'amalgame dentaire dans les poubelles publiques. Seuls 10% des dentistes ont déclaré avoir un contrat avec des sociétés de récupération des déchets médicaux et pharmaceutiques. Pour les auteurs de l'étude, la situation est alarmante vu la quantité importante des déchets toxiques produits par les cabinets dentaires, qui est mélangée avec les déchets ménagers. La cause principale est, bien sûr, de cette situation, c'est le vide juridique et le manque de sensibilisation par rapport à la loi 28.00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. L'étude a ainsi montré que seulement 10% des médecins dentistes connaissaient cette loi, alors que 90% l'ignoraient. Autre constat à relever, c'est une des, propositions de la Fédération. La gestion des déchets d'amalgame qui contient du mercure nécessite une formation spécialisée. Il faut que le ministère de tutelle soutienne les médecins dentistes en collaboration avec les sociétés de récupération des déchets. Cependant, seuls 52% des responsables de la gestion des déchets dans les cabinets dentaires ont suivi une formation en gestion des déchets. L'étude signale que la gestion des déchets médicaux est assurée dans 48% par les assistants des médecins dentistes, dans 26% par les médecins dentistes aidés par leurs assistants. Dans 38% des cabinets, cette responsabilité est attribuée à la femme de ménage ou à la secrétaire. Les auteurs de l'enquête insistent sur le fait que les facultés de médecine dentaire doivent, c'est une proposition également de la Fédération, doivent intégrer un programme de sensibilisation dans le cursus initial de formation et même dans la formation continue. Pour sa part, le Conseil de l'Ordre des médecins dentistes devra jouer un rôle important dans la sensibilisation des médecins dentistes installés. Les autorités responsables doivent se mobiliser pour la mise en application de la loi 28.00 relative à la gestion des déchets. La préparation du patient avant et après l'intervention permet d'aider l'excrétion du mercure par l'organisme. Des études ont montré que des substances comme des compléments diététiques, tels que la chlorella ou la curcumine, pourraient améliorer la détoxication endogène contre les métaux lourds suite à la dépose de l'amalgame. Un apport en vitamine C est recommandé, souvent avec d'autres suppléments, tels que le sélénium, qui par son effet antioxydant peut participer à la protection des cellules ou le desmodium, car cela renforcerait les capacités de détoxication endogène des patients en augmentant la chélation du mercure dans leur corps pendant une courte période. Le charbon actif absorbe les vapeurs de mercure. Cette absorption est stable à une température ambiante. En pratique, le charbon actif est utilisé sous forme de poudre adulée dans de l'eau ou sous forme de gélules perrosse ou en bain de bouche. Avant de passer au protocole, j'aimerais bien vous rappeler que mon amie, professeure Catherine Rossi, a fait des études sur l'amalgame et travaille sur la médecine dentaire holistique. Elle a même publié un livre sur la détoxication endogène. Pour les protocoles, nous avons deux protocoles. Protocole SMART et le protocole de Colson. Pour le protocole de SMART, ou International Academy of Oral Medicine and Toxicology, c'est une association américaine internationale regroupant des médecins dentistes et toxicologues, a établi un protocole de dépose des amalgames dentaires permettant une excellente gestion du risque mercuriel. Les recommandations qui sont connues sous le nom de SMART pour Safe Mercury Amalgam Removal Technique, que l'on pourrait traduire par technique de dépose sécurisée de l'amalgame au mercure, s'appuyant sur les connaissances scientifiques acquises et les recherches les plus récentes, plus de 100 références bibliographiques. Le SMART a formulé de nombreuses recommandations pour l'élaboration de ce protocole.
Pour le protocole sécurisé de Colson, le Dr Colson a publié en 2012 une revue d'articles intitulée « Safe Protocol for Amalgam Removal » dont s'est notamment inspiré le SMART pour établir le protocole. Son objectif est de garantir une absorption minimale, autant sublinguale que par les muqueuses, et de réduire au minimum l'absorption de vapeur de mercure par la barrière hémato-encéphalique. Je n'entre pas en détail, il y a des procédures au fauteuil, préparation du patient, préparation du personnel, procédure de dépose. Une fois que l'amalgame est complètement retiré, donc après la dépose, une étude norvégienne de 2011 a réalisé un suivi de 3 ans après dépose de l'amalgame sur un groupe traité par rapport à un groupe de référence. Elle a montré une réduction significative des problèmes de santé intrabuccaux et généraux. Les patients du Dr Colson lui ont fait part au fil des années de leur ressenti suite à la dépose de leur amalgame. Bien qu'elle ne les ait pas recueillis de manière scientifique, ces mêmes résultats ont également été rapportés dans la littérature après le retrait d'amalgame associé à une désintoxication. Les patients rapportent qu'ils n'ont plus de goût métallique dans la bouche, qu'ils ont le sentiment d'avoir plus d'énergie. Maintenant, la conclusion. Avec l'évolution et le développement des différentes techniques, le gradient thérapeutique prend une place importante dans nos pratiques. Il y a un changement de paradigme dans notre pratique quotidienne. La dentisterie moderne se veut économe en tissu et esthétique. Ces deux principes poussent logiquement l'amalgame dentaire vers la sortie. Le mercure se fait ainsi plus rare dans les cabinets dentaires. Malheureusement, je tiens à le signaler, de nombreux citoyens inconscients du risque mercurien qu'il encourt continuent de faire appel au service des intrus de la profession. Ces derniers travaillent en bouche dans l'illégalité absolue, en mettant en péril la santé des citoyens et continuent jusqu'à présent à travailler avec l'amalgame, à tort et à travers, et avec la résine. Ils ne respectent aucun protocole d'hygiène, n'ont aucune connaissance sur la gestion des déchets. Pour cela, la Fédération insiste et tire la sonnette d'alarme et compte sur le soutien de toutes les institutions concernées, le centre antipoison et les autorités compétentes, à savoir les ministères de la Santé, de l'Intérieur et de la Justice, pour prendre les mesures nécessaires afin de fermer définitivement ces cabinets clandestins et activer les poursuites judiciaires contre les contrevenants et punir tous ceux qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Malgré l'absence de preuves scientifiques irréfutables quant à la toxicité du mercure des amalgames dentaires, mais face à une volonté affirmée de se débarrasser du mercure à l'échelle mondiale, la problématique de cette substance doit être l'affaire de tous. Certes, l'amalgame dentaire n'est plus vraiment un matériau d'obturation à l'ordre du jour, mais le médecin dentiste est toujours amené à le travailler. Les suspicions pesant sur la dangerosité du mercure des amalgames sont de plus en plus fortes et sa possible implication comme facteur aggravant dans de nombreuses pathologies, notamment neurodégénératives, ne peuvent que nous alerter. Je vous rappelle que l'Union européenne a adopté un règlement qui a été cité tout à l'heure par notre consoeur relatif au mercure, 1er juillet 2018, sur les dents temporaires, les enfants de moins de 15 ans et sur les femmes enceintes. Si l'interdiction n'est pas totale depuis le 1er juillet 2019, l'amalgame ne doit être utilisé que sous forme encapsulée, préposée. Se pose maintenant la question du choix du matériau de remplacement qui contient lui-même des substances pointées du doigt à cause de leur potentiel effet néfaste sur la santé. Certains composants des composites sont accusés d'être des perturbateurs endocriniens, bisphénol A. Il revient à nous, médecins dentistes, donc de choisir des matériaux efficients en accord avec les données acquises de la science pour ne pas nuire à nos patients, bien sûr pour ne pas nuire à notre santé. Je termine par un adage: dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Je me rappelle également d'un adage qui a été cité par mon professeur qui, dans la faculté de médecine dentaire, qui m'a dit: pour connaître les choses, il faut connaître le détail. Et comme le détail est presque infini, nos connaissances sont toujours superficielles et imparfaite. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, docteur Moussapi, pour cette excellente intervention. Bonsoir tout le monde, mesdames les doyennes, madame la directrice du Centre Antipoison, madame la présidente de l'AMLES Talks. C'est avec un grand plaisir que je participe avec vous à ce webinaire dont le sujet est d'actualité aussi bien sur le plan fondamental pour les chercheurs et les scientifiques que sur le plan appliqué de santé publique. Ce webinaire, je rappelle qu'il est organisé par l'AMLES-TOX en collaboration avec le Centre Antipoison du Maroc et le Centre d'études doctorales de l'Université Ibn Tufayl de Kenitra. La conférence qui va suivre est intitulée « Les dispositifs de protection et de purification contre l'exposition au mercure ». Cette conférence sera présentée par M. Malet Sylivan. M. Malet Sylivan est ingénieur commercial dont les matériaux et consommables dédiés aux analyses des métaux, de mercure et des composés organiques. Il gère actuellement la société Simalab France, qu'il a créée en 2013. Son expérience de plus d'une dizaine d'années de biochimiste lui a permis de développer et de commercialiser une gamme de produits répondant aux besoins analytiques spécifiques. Ainsi, en se spécialisant dans les analyses par AAS, ICPOES, ICPMS et dans les analyses de mercure. La société qu'il gère s'est forgée une réputation confirmée par la distribution complète des produits de marque Teledim en 2021. J'espère que je ne me suis pas trompé. Cette société est devenue ainsi spécialiste dans les techniques analytiques d'automatisation et de protection des analyses de métaux et particulièrement dans les analyses de mercure où elle propose toutes les techniques analytiques pour, aussi bien pour les échantillons solides que pour des préparations directes ou je crois liquides. Monsieur Sylivain, quant à lui, avec ses 20 ans d'expérience en tant que biochimiste, est devenu spécialiste des analyses de mercure, surtout les échantillons liquides, solides, eau, etc., et peut ainsi adapter les besoins analytiques de protection du personnel en fonction des besoins. Donc, je vais donner la parole directement à M. Sylivan, en espérant que les différents intervenants qui vont rester respectent le temps qui lui sont accordé, parce qu'on a à peu près 35 minutes de retard. Donc, M. Sylivan, à vous la parole. Je vous remercie beaucoup de me laisser la parole. Je tiens d'abord à remercier tout le monde de m'avoir invité à ce webinaire, un petit peu nouveau pour moi, parce que c'est la première fois que je fais ça à distance. Donc, je vais essayer d'aller court pour laisser du temps aux intervenants après. Je remercie tout de suite la présidente et Madame Badran de m'avoir invité à ça. Donc, je vais commencer. Donc, je vous présente déjà la société Simalab. Donc, c'est pourquoi nous sommes arrivés ici. Donc, j'ai créé la société Simalab en 2013. Et donc, premièrement, est-ce que vous voyez très bien la présentation ou pas? Non, non. Vous voyez pas la présentation ? Il faut partager l'écran, partager l'intégralité de l'écran et passer à votre diapositive. Je pense que j'ai exactement sélectionné écran entier. Partager, il est à droite de votre écran en bas. Partager. Bien sûr, présenter maintenant plutôt. Une erreur et ses produits, comme d'habitude. Hop. L'intégralité de l'écran. Hop. Écran entier. Autorisé. Voilà. Alléluia. Ça fonctionne ? Ça vient. Oui, ça vient. Très bien. Bien là, il faut y aller vers votre. Voilà, c'est bon. Très bien. J'appuie sur la touche. Voilà. Donc, je recommence. Donc, la présentation de la société. Merci beaucoup. Donc, sur la présentation, donc, la société, je l'ai créée en 2013 et donc j'ai commencé à travailler sur le mercure en 2002.
Je suis tombé dedans un petit peu par hasard, c'est que je commercialisais un appareil à l'époque qui était dédié à l'environnement, qui permettait directement d'analyser le mercure sur les échantillons environnementaux, plutôt orientés solides, mais on pouvait aussi analyser des liquides. De fil en aiguille, on s'est spécialisé à l'époque dans tout ce qui était analyse liée à tout ce qui était carbone organique lié à la méthode Dumas. Donc ça, c'était mon expérience de biochimiste. Et ensuite, dans tout ce qui était métaux lourds, donc la spectrométrie d'absorption atomique, l'ICP, l'ICP-MS, toutes ces techniques. Et tout ce qui gravite aussi autour de ces techniques-là, c'est-à-dire la préparation d'échantillons, l'automatisation, l'ablation laser. Donc là, on est déjà dans des choses un peu plus élaborées. Et au fur et à mesure, on a eu un besoin en France de protéger le personnel, en plus des équipements. Et donc, nous avons créé la gamme Pure Protec, donc, qui se trouve juste là. Moi, je ne vous entends plus, je ne sais pas les autres. Je crois qu'il y a un problème de son. Il y a un problème de son, monsieur Sylvain. Soit un problème de son, soit un problème de connexion. Monsieur Sylvain, vous entendez? Je crois qu'il s'est déconnecté complètement. Je ne sais pas si il va se reconnecter. On attend deux minutes. Bien, on va, je crois, pour gagner du temps, en attendant que M. Sylvain se reconnecte. M. Sylvain, vous m'écoutez? Non. Donc, je crois qu'on va passer à la présentation suivante et par la suite, on revient à la présentation de M. Sylvain. Donc, la présentation suivante, est-ce que M. Mouniani est là? Oui, oui. C'est le Krim. Il est là tout à l'heure, oui. Voilà. Alors, M. Krim Mouniani qui va présenter la prochaine conférence et étudiant titulaire d'un master de biologie et de matériaux du milieu buccal de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Il a travaillé sur la gestion des déchets médicaux au niveau des cabinets dentaires privés et publics de la région Rabat-Salé-Kénitra. Actuellement, il prépare une thèse de doctorat en sciences au Centre d'études doctorales de l'Université Ibn Tufayl sur l'évaluation de l'exposition chronique au mercure chez les dentistes et assistants dentistes de la région Rabat-Salé-Kénitra. Donc, il va nous présenter les résultats préliminaires de ses travaux au cours de ce webinaire. Donc, à vous la parole, M. Abdelkrim Mouniani. Je rappelle que M. Abdelkrim Mouniani est encadré par moi-même et Mme Naïma Rel. M. Abdelkrim n'est pas là. Il est là, mais je ne sais pas. Pas de chance. Il est là. Monsieur Abdelkrim, il faut activer votre micro et votre caméra. Bien. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées, Madame? Oui. Donc, entre-temps, oui, je pose les questions voilà. Qui sont toutes pour Dr Moussafir. Donc, où est-ce qu'on peut trouver les séparateurs d'amalgame au Maroc et le purificateur d'air? Donc, comme première question, je pense que je vais poser toutes les questions et puis... Docteur Moussafir?
Docteur Moussafir, peut-être, je crois qu'il n'est pas là. C'est les problèmes de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a personne. Docteur Moussafir? Bien, autrement, on passe. Monsieur Sylvain? Donc, tout le monde est déconnecté. Est-ce qu'on passe à la session suivante en attendant le retour des intervenants? Madame Rennes? Oh oui, monsieur. Je crois. Madame Rennes? Ben oui, on est obligé. Bien. Alors, on est obligé, sinon. Donc, on va donner la parole. Je ne sais pas qui va présenter le rôle du centre antipoison dans la lutte contre l'exposition au mercure. C'était prévu que c'est Madame Souleymane Rachida qui allait la présenter, alors, mais je crois qu'elle va être remplacée. Je ne sais pas si elle est. Oui, voilà. Madame Souleymane. Merci, professeur Souleymane Abdelmjid. Merci donc à nos conférenciers. Donc maintenant, je déclare l'ouverture de la session panel vu les problèmes de connexion et qui va être inaugurée par Madame Souleymane Rachida, médecin et professeur de pharmacologie clinique à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Elle occupe actuellement le poste de directrice du centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc. Elle dirige depuis 2011 le centre collaborateur de l'OMS pour le renforcement des pratiques de pharmacovigilance avec l'organisation du cours francophone interpays de pharmacovigilance depuis 2007 au profit des pays africains et membre du comité consultatif pour la sécurité des médicaments à l'OMS. Membre aussi du conseil d'administration de Uppsala Monitoring Center et présidente de la Société africaine de pharmacovigilance, présidente de la Fédération maghrébine de toxicologie et fondatrice et ancienne présidente de la Société marocaine de pharmacovigilance et de la Société marocaine de toxicologie clinique et analytique et membre de nombreux comités scientifiques et administratifs et réglementaires. Donc, j'invite chaleureusement Madame Souleymane pour un premier mot et par la suite, c'est Dr Hanan Chaoui qui va présenter la présentation de Madame Souleymane. À vous la parole, cher professeur. Merci beaucoup, Dr Imani Ken. Merci beaucoup à tous les participants. Merci aux organisateurs. Je voudrais féliciter tout d'abord la Société marocaine de santé, environnement et toxicologie et à leur tête leur présidente, Dr Naïma Ghalem. Je voudrais également remercier tous les orateurs pour leur présentation assez intéressante qui soulève un problème d'actualité et un problème de santé publique et un problème qui pourrait être évitable. Moi, je suis avec vous depuis le début de ce webinaire. Malheureusement, pour des problèmes de santé, j'ai un problème pour parler. Donc, j'ai donné ma présentation à Hanan Chaoui qui va présenter. Donc, je suis avec vous pour éventuellement répondre aux différentes questions s'il y a des questions qui me concernent et également pour donner mon avis, ne serait-ce par écrit. Donc, sans trop tarder, je vous souhaite un très bon webinaire et je passe la parole au docteur Hanan Chaoui. Merci beaucoup, Madame le professeur. Donc, je vais partager votre présentation. Est-ce que vous voyez le partage? Non, pas encore. Et maintenant, c'est bon? Non, non. Je pense qu'il faut sortir et puis... Oui, je vais arrêter le partage.
Je pense que oui, c'est bon. Qu'est-ce que vous maintenant, est-ce que vous voyez la présentation? Non, pas encore. Mais vous êtes en train de partager. Oui, oui. Vous voyez le partage d'écran maintenant? Oui. Oui. Et maintenant la présentation? Oui, c'est bon. C'est bon. Le diaporama? Oui. Non, attendez. Le diaporama, c'est bon? Oui, très bien. Très bien. Masquer le. Oui, je vais masquer la barre. Très bien. Eh bien merci. À vous la parole. Ça a marché cette fois-ci. D'accord. Merci, oui, Dr. Eken. Donc, j'ai le plaisir d'intervenir dans ce panel, donc justement pour parler un petit peu du rôle du centre antipoison dans la lutte contre l'exposition au mercure. Donc le centre antipoison du Maroc est une institution qui relève du ministère de la Santé. C'est un centre qui a été créé officiellement en 1989 et qui s'occupe des vigilances sanitaires. Donc il est considéré comme un véritable observatoire en matière de pharmacovigilance et de toxicovigilance, et il a été reconnu en 2011 comme centre collaborateur de l'OMS en matière de pharmacovigilance. Donc, c'est quoi les vigilances sanitaires? Les vigilances sanitaires, au fait, c'est une veille épidémiologique tournée vers des produits ou des agents issus des activités humaines, donc que ce soit des produits ou bien des usages. Donc, les produits pour lesquels s'intéressent les vigilances sanitaires, ce sont les produits de santé, les produits de consommation et les produits d'exposition environnementale, dont les métaux lourds. Donc, les vigilances sanitaires, c'est une activité qui est purement médicale, qui se déroule en plusieurs, dans un processus qui fait de 6 étapes. D'abord, on va collecter les données concernant l'exposition à un produit. On va analyser les cas et les valider, voir est-ce que c'est des cas qui répondent à la définition des cas. Ensuite, on enregistre les cas dans les bases de données pour pouvoir générer des signaux. Donc, les signaux qu'on va générer, ou les alertes qu'on va valider, donc, quand ils sont validés, ils vont faire objet d'activités de minimisation de risque pour diminuer le risque d'exposition à ces produits. Donc, comme je l'ai dit, quand on génère un signal, et surtout quand il est validé en alerte, il faut intervenir pour limiter le préjudice. Et là, l'intervention, si c'est un produit de santé, elle va dépendre du ministère de la Santé. Sinon, si c'est un produit de consommation, un autre produit, il va dépendre du ministère qui est en charge de la mise en circulation du produit. Concernant le mercure, donc il fait partie du système de surveillance dont s'occupent les vigilances sanitaires et notamment le centre antipoison du Maroc. Donc déjà en 2010, le centre antipoison, à travers son système de vigilance, le processus que j'ai présenté, il a déjà fait une alerte concernant les thermomètres au mercure. Déjà en 2010, qui a été publié sur la revue officielle du centre antipoison qui est Toxicologie Maroc et qui est disponible sur son site. Et suite à cette alerte concernant les thermomètres au mercure, donc la direction du médicament et de la pharmacie, qui relève aussi du ministère de la Santé, elle a émis une circulaire ministérielle d'arrêt de commercialisation et de vente des thermomètres au mercure au Maroc, et ceci depuis 2010 déjà. Ensuite, donc le centre antipoison, il a été amené à participer en décembre 2016 à une réunion au niveau du centre Center of Environmental Health Action au niveau de l'OMS MRO sur le rôle du secteur de la santé dans la mise en œuvre de la convention du Minamata. Suite à cette participation, il y a eu des recommandations d'organiser des journées nationales au niveau des pays, justement pour sensibiliser les différents acteurs qui sont en relation avec la problématique concernant les différentes dispositions de la Convention de Minamata. Et c'est dans ce sens qu'en avril 2017, il y a eu l'organisation au niveau du centre antipoison de la première journée nationale sur la lutte contre l'exposition au mercure. Cette journée, elle a connu la participation de plusieurs institutions. Donc, et avec il y a eu 4 départements ministériels qui ont présenté, notamment l'ANSA, notamment le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé et le ministère de l'Emploi, voilà. Et il y a eu aussi la présence des médecins dentistes et qui ont été représentés par le syndicat des médecins dentistes au Maroc. Et aussi, il y a eu la représentation des facultés de médecine dentaire.
Donc ensuite, le ministère de la Santé, à travers le centre Antipason, il a participé au projet, toujours pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention de Minamata, au projet du secrétariat d'État du développement durable sur l'évaluation initiale des utilisations et des rejets de mercure dans le but de déterminer les besoins et les mesures nécessaires pour la ratification par le Maroc de la Convention de Minamata. C'est un projet qui s'est étalé sur 2 ans, entre 2018 et 2019, et qui avait comme parmi les objectifs l'élimination progressive de l'utilisation de l'amalgame dentaire au Maroc. Donc, et suite à la participation à ce projet, donc le ministère de le centre antipoison, il a émis une alerte. Donc, et la Commission nationale de pharmacovigilance, elle s'est réunie, qui siège au niveau de la direction du médicament et de la pharmacie, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'est réuni en mars 2019. Et il y a eu une décision de la Commission concernant les restrictions d'usage de l'amalgame dentaire au Maroc, parce que l'amalgame dentaire, c'est la direction du médicament qui s'occupe de son importation. Donc, il est voilà, donc c'est au niveau de la direction de médicaments et de la pharmacie que se fait l'importation de l'amalgame dentaire. Donc, ces restrictions, d'utilisation, de quoi il s'agit exactement? Donc, il y a eu 7 décisions. Donc, au niveau du Maroc, réduire progressivement l'utilisation des amalgames dentaires en vrac, avec comme objectif la suspension de leur utilisation à compter du 31 décembre 2021 et leur remplacement par les amalgames conditionnés en capsule. Contre-indiquer les amalgames dentaires en cas d'allergie au mercure et chez les patients dont le rein est fragilisé par des antécédents de leur fonction rénale. Contre-indiquer les amalgames sauf si le praticien le juge strictement nécessaire pour les besoins médicaux spécifiques du patient chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 15 ans. Éviter les multiples amalgames dentaires chez le même patient. Éviter la dépose systématique d'amalgame dentaire en l'absence d'indication médicale. Donc, ça rejoint ce qu'a dit Dr Moussafir et la communauté internationale dans ce sens. Donc, les professionnels de la santé doivent équiper leur installation de séparateurs d'amalgame et il est recommandé d'installer des capteurs de mercure au niveau des fauteuils dentaires. Donc, juste pour rappeler que cette décision de la Commission nationale de pharmacovigilance, elle est survenue en mars 2019. Donc, juste quelques mois après la décision de l'Union européenne et la France en juillet 2018 de restreindre l'utilisation de l'amalgame dentaire. Donc, on peut être fier qu'on n'a pas beaucoup de retard par rapport à l'Union européenne. Avant de terminer, juste parler de la centrale antidote au niveau du centre antipoison. Donc, comme vous le savez, donc le centre antipoison, il s'occupe de la surveillance des expositions, comme j'ai dit au départ, concernant les produits. Et il dispose d'une centrale antidote pour gérer les cas d'intoxication aiguë et les cas d'intoxication chronique. Et parmi les antidotes qui sont disponibles au niveau du centre antipoison, et ce sont ces antidotes qui ont été prouvés au niveau international comme efficace pour lutter contre c'est-à-dire traiter l'intoxication par les métaux lourds, notamment le plomb et le mercure. Donc, le plomb et le mercure, il y a le succimer ou le DMSA, donc qui est disponible pour permettre la chelation des intoxications au mercure, que ce soit les intoxications aiguës, mais surtout les cas qu'on reçoit, ce sont les intoxications chroniques. Donc, voilà. Donc, je voudrais aussi, avant de terminer, donc j'ai parlé de la centrale antidote et je voudrais juste insister sur ce qu'a dit ma consoeur, Dr Badran Narjist, que l'analyse, c'est-à-dire le dosage du mercure au niveau urinaire est disponible au niveau du centre antipoison, au niveau du laboratoire du centre antipoison. Voilà, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Merci docteur Hanan Chaoui pour cette présentation claire. Je passe donc sans tarder, j'ai l'honneur d'inviter professeur Nawal Bouhiaoui pour une deuxième intervention. Professeur Bouhiaoui est professeur d'enseignement supérieur en odontologie, option orthopédie dentofaciale et doyenne de la faculté de médecine dentaire de Rabat depuis 2018. À vous la parole, cher professeur. Merci, professeur Iken. À mon tour, de remercier les organisateurs de ce webinaire. Je remercie aussi les orateurs pour leur excellente présentation
et pour donc l'apport en recommandation, l'apport recommandation et puis les résultats des études effectuées dans ce sens. Et donc ce webinaire qui traite un sujet fort intéressant et qui est toujours d'actualité. Alors pour la part de la formation ou bien de la faculté autour donc de cet amalgame dentaire, je peux vous dire que les amalgames dentaires ne sont plus déjà employés dans notre faculté, ni en travaux pratiques, ni en stage clinique. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors, l'enseignement, bien sûr, de ce sujet, il est purement théorique. On a toujours, en deuxième année, c'est-à-dire en S3, un certain volume horaire concernant les amalgames dentaires, parce qu'il est obligatoire et indispensable de donner à l'étudiant donc toutes les connaissances théoriques autour de ce sujet, même s'il n'est plus c'est-à-dire utilisé, et on verra par la suite pourquoi. Donc, les cours, les amalgames dentaires, comme je viens de dire, il est enseigné dans le cadre d'un module de matériaux de restauration et de réplique. Et en S3, donc, il occupe un volume horaire qui n'est pas très important. Alors, c'est vrai que… Alors, je reviens, et là, je remercie tous les conférenciers qui ont parlé de l'amalgame et du danger donc, de ce mercure et l'utilisation au cabinet dentaire des amalgames dentaires. Et je peux vous dire que là, depuis là, la présentation du professeur Souleymani, la toute dernière, et qui a parlé de la convention de Minamata, effectivement, le Maroc, la convention, c'est-à-dire a été signée par le Maroc le 6 juin 2014. En 2017, effectivement, des représentants du ministère de la Santé, les facultés de médecine dentaire de Casablanca et de Rabat ont participé au centre antipoison et de pharmacovigilance à la journée d'études sur le rôle du secteur de la santé dans la mise en œuvre de la convention de Minamata. Et cette journée, justement, était une étape préalable à la journée du mois de mars 2019. Justement, c'est le professeur Souleymani maintenant qui a présenté les 7 décisions de la Commission nationale de la pharmacovigilance qui parle un peu des restrictions d'usage de l'amalgame au Maroc. Effectivement, il est maintenant, on sait que l'amalgame, il a quelques, bien sûr, des préalables, des conditions pour l'utilisation. Et il y a une réduction de plus en plus, donc on assiste à une réduction de l'utilisation des amalgames pour les bannières carrément à partir du 31-12-2021. Donc, je reviens au volet formation délivré par notre faculté dans la prévention de l'exposition du médecin dentiste au mercure. Et comme je viens de dire, on a arrêté l'utilisation en travaux pratiques et en stage clinique, mais l'étudiant reçoit toujours le volet recommandation concernant la limitation de l'exposition au mercure. Dans ce volet, comme j'ai dit tout à l'heure, en deuxième année, dans le volet donc matériaux de restauration et de réplique. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on apprend à l'étudiant? On lui apprend que pour limiter l'exposition des patients au mercure, il faut absolument utiliser l'amalgame sous un conditionnement en capsule prédosée. Et docteur Moussafir a bien détaillé la chose. Il ne faut pas non plus placer les amalgames dentaires au voisinage d'autres restaurations métalliques. Le fraisage et le polissage de l'amalgame entraînent une volatilisation du mercure, donc ils doivent toujours être utilisés sous refroidissement, aspiration et champ opératoire obligatoire. La pose et le retrait d'amalgame augmente sensiblement la libération de mercure, donc il est prudent de les éviter pendant la grossesse et l'allaitement. La mastication de gomme à mâcher augmente transitoirement la libération de mercure par les amalgames. Leur consommation fréquente doit être évitée par les porteurs de nombreux amalgames. Pour limiter l'exposition du personnel soignant au mercure, on utilise les amalgames en capsules pré-dosées et qui doivent être stockés dans un endroit frais et ventilé. On doit aussi travailler dans des locaux qui sont ventilés. Donc, le cabinet doit être aéré plusieurs fois dans la journée. Si un dispositif de climatisation avec filtrage d'air, il faut respecter les consignes du fabricant pour l'entretien régulier des filtres.
Il faut proscrire aussi l'utilisation donc, de tapis, de moquettes, de rideaux et de tissus muraux. Et puis, utiliser les détecteurs de vapeur de mercure dans l'air sous forme donc, soit d'appareillage portable ou ultraviolet ou des tubes colorimétriques ou encore sous forme de badges spéciaux. Et enfin, pour réduire l'exposition de l'environnement au mercure, les fauteuils dentaires doivent être équipés de séparateurs d'amalgame. Les déchets doivent être stockés. Et là, en parlant de déchets, c'est là la raison fondamentale pour laquelle on a banni l'utilisation des amalgames dans les travaux pratiques, justement pour cette gestion de déchets qui a été difficile d'instaurer à la faculté. Les déchets doivent être stockés correctement dans un récipient avec une couverture hermétique. Et à chaque couverture du récipient, les déchets stockés peuvent constituer donc une source d'émission de vapeur de mercure. Alors, le recouvrement des déchets par l'eau réduit l'émission mercurielle durant plusieurs jours, puis elle augmente de nouveau. Les solutions donc réduisent, les solutions permanganate de potassium réduisent considérablement les émissions mercuriennes. Finalement, les déchets doivent être récupérés régulièrement par une société spécialisée dans le traitement de déchets médicaux contaminés et contenant du mercure. Donc, en plus de leur décontamination, la société va procéder au recyclage des amalgames sous une forme non toxique pour l'environnement. Voilà donc en résumé ce qu'on met donc comme recommandation c'est sa recommandation pour limiter l'exposition aussi bien des patients, du personnel soignant et de l'environnement, pour éviter justement l'exposition au mercure du médecin dentiste, du personnel soignant et des patients. Donc, pour finir, je pourrais dire que maintenant, avec l'évolution des matériaux adhésifs, on penche plus, donc, bien sûr, pour l'utilisation des composites avec leur évolution. Et de plus en plus, on réduit très considérablement l'utilisation d'amalgames. Et là, les décisions dont a parlé le professeur Souleymani sont très intéressantes, qu'il faut peut-être partager avec l'ensemble des médecins dentistes, mais aussi l'ensemble des facultés et de tous les intervenants du secteur de la santé. Voilà donc ce que j'avais à dire à ce sujet. Et encore une fois, j'ai été ravie, franchement, de faire partie de ce webinaire dont le thème est fort intéressant. Merci, professeur Bouyhiaoui. Malheureusement, professeur Rachida Amzian, doyenne de la faculté internationale de l'UR, de la faculté internationale de médecine dentaire UR, donc, n'a pas pu nous rejoindre pour des problèmes de connexion, mais elle nous a envoyé un message qu'elle souhaite être lu donc à tout le public. Donc voilà son message. Concernant la prévention dispensée aux futurs médecins dentistes, il se fait lors des cours sur les biomatériaux en insistant sur le port de masque et la dépose de celui-ci qui doit se faire toujours sous digue et aspiration chirurgicale en essayant de détacher les parois cavitaires afin de l'extraire en bloc pour ne pas créer des poussières toxiques chargées de mercure et d'autres alliages. Actuellement, nous sommes plus orientés vers les matériaux adhésifs, sauf pour les patients à risque carieux élevé, donc par exemple les personnes à besoins spécifiques. Et depuis 3 ans, aucun amalgame n'a été posé à la clinique dentaire de l'UR. Donc voilà son message. Donc merci à nos chers panélistes qui nous ont apporté des éclaircissements concernant le système de surveillance des expositions au mercure et les réalisations du ministère de la Santé pour se conformer aux dispositions de la convention Minamata. Aussi pour les explications concernant l'intérêt de la formation et la formation continue en médecine dentaire dans le domaine de la prévention et des expositions au mercure. Et maintenant, je vais passer la parole à professeur Abdelmjid Souleymani pour la suite des présentations de docteur Sylvain et docteur Mignani. Bien. Merci, madame Iken.
Est-ce que Monsieur Sylvain est avec nous? Est-ce qu'il est connecté? Monsieur Sylvain? Je suis connecté, mais je n'ai plus de caméra, parce que visiblement, c'était ça qui nous a déconnecté. Est-ce que tu peux partager ta présentation et je vais tenter le coup tout de suite. Hop, l'intégralité de l'écran. Oula, j'ai plusieurs écrans. Donc, je pense que c'était mon fils qui jouait à Fortnite ou quelque chose comme ça. C'est bon. Hop. Donc, la présentation, elle est là. Je reviens ici et je fais F5. Voilà. Vous l'avez? Alors, vous avez quel écran, vous? Consommable et appareil technique. Très bien. Bon, allez, on va partir là-dessus. On va espérer que ça fonctionne. Donc, je remercie encore les personnes de m'avoir invité. Donc, je suis désolé pour cette petit bref moment de déconnexion. Je vous remercie encore de m'inviter à faire la présentation de la société et des solutions techniques sur lesquelles on pourrait collaborer. Donc, je fais la présentation rapide de la société Simulab. Je pense que ça a coupé là à peu près au niveau la dernière fois. Donc, notre société est spécialisée dans tout ce qui est d'abord analyse CHNOS, donc les analyses carbone organique par méthode Duma. Et au fur et à mesure, nous avons été sollicités pour faire des développements et des propositions sur les analyses de métaux lourds par absorption atomique, par ICP et par ICP-MS. Donc ça incluait aussi tout ce qui était préparation d'échantillons, l'automatisation autour de ces échantillons pour éviter les réductions des erreurs. Au final, ça se pousse aussi sur l'ablation laser, qui est une technique un petit peu plus élaborée, qui pourrait par exemple convenir pour de la recherche sur les amalgames dentaires. Et dans ce cadre-là, nous avons aussi créé le système de protection du personnel et des équipements que nous avons appelé PureProtec. Juste ensuite, nous avons donc la possibilité de proposer toute une gamme d'équipements qui permet d'analyser le mercure, quelle que soit sa teneur, quel que soit le milieu où il se situe. Donc ça peut être des liquides, ça peut être de l'air, ça peut être du gaz, ça peut être des solides, du pâteux, du poisson, enfin ça peut être vraiment quelque chose. Il y a déjà quelques équipements de ce biais au Maroc, donc je vous invite à contacter Q de droit si vous êtes intéressé par des analyses très très fiables. Ce sont des analyseurs qui permettent de descendre très très bas en teneur et d'avoir des réponses très très fiables. Et donc, le gros problème du mercure, c'est un petit peu sa forme. Et sa forme est souvent respectée par rapport à comment et où il se situe. S'il est en forme solide, il va être très très dur à extraire, sauf si on le chauffe. S'il est en forme liquide, ça va être un petit peu pareil, mais il peut être aussi sous forme G2+. Donc il a sa propre vie, le mercure. Il est vraiment très très casse-pied à analyser. Il a aussi une petite faculté à rester collé au niveau de tout ce qui est tubulure. Donc par exemple les pointes de pipette. Donc vous avez aussi une chimie du mercure à respecter, une propreté du mercure à respecter. Et on dit souvent qu'il a son propre cycle de mercure, c'est-à-dire qu'il part du sol, il retourne dans l'air, et ça peut venir de la pollution, d'une contamination dite naturelle. Par exemple, on a installé un appareil en Guyane française dont les sols sont très riches en mercure. Et donc cette particularité montrait qu'on pouvait analyser et l'air et le sol au niveau de ce système, qui était complètement différente par rapport à l'Europe. Bon, c'était lié à la chimie du mercure. Donc ensuite, si on fait un bref récapitulatif, ce que ça a déjà été dit au préalable, le mercure est dangereux par trois modes d'ingestion. Donc l'ingestion par alimentation, essentiellement le poisson, mais aussi tout ce qui peut être cigarette. Hein, donc les gros fumeurs ingèrent du mercure plus par salivation et donc l'ingestion du mercure par les cigarettes. La peau, mais c'est quand même pas très très courant, faut vraiment être en contact avec des produits chimiques qui contiennent du mercure. Et bien sûr l'inhalation, c'est un peu le débat du moment qui peut être très on va dire embêtant lorsque nous sommes en confrontation avec du mercure présent dans l'air, surtout l'atmosphère de travail.
Donc, il y a plusieurs méthodes pour mesurer le mercure, savoir si nous sommes dans un environnement toxique ou pas. Donc, les méthodes ont déjà été décrites, donc je fais un très très bref rappel. Donc, les méthodes par spectrométrie d'absorption atomique avec ou pas amalgamation. Donc, l'amalgamation ici n'est pas une amalgamation d'un système, ce qui permet de concentrer le mercure pour descendre à des teneurs beaucoup plus basses. Donc, on se sert aussi de la faculté du mercure à faire des amalgames avec de l'or, avec du cuivre, avec du platine, on va dire quelque chose d'échangeable. Ça permet donc de descendre les teneurs et de faire des dosages très très faibles. Et comme on sait que c'est une accumulation de mercure qui est dangereuse, ça permet de faire une mesure très très rapide, mais très très continue d'un patient par exemple, pour voir si son taux de mercure descend au fur et à mesure avec un traitement par chélation ou des choses comme ça. On peut faire dans le sang, on peut faire dans le plasma, on peut faire dans l'urine, les cheveux, c'est très 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 répandu maintenant, et donc en même pas 5 minutes on peut faire cette analyse là c'est quand même assez sympathique. Tout ce qui va être aussi analyse par spectrométrie, par fluorescence atomique. Donc là, on est plutôt dans l'analyse très très sensible, donc c'est-à-dire qu'on a une gamme haute, ça ne concerne pas les échantillons de mercure à forte concentration. Là, on va utiliser plutôt la capacité du mercure à fluorescer, en conditions normales, ce qui permet donc d'avoir des teneurs très très faibles, et on le destine surtout à l'eau potable ou même à l'urine si vous cherchez des choses un petit peu ésotériques, on va dire. Les deux autres techniques assez répandues sont l'ICP, donc l'ICP optique, dit AES, ou l'ICP MS en spectrométrie de masse. Ça marche bien, surtout si on met des petits amalgames d'or, on crée des petits amalgames d'or dans les solutions de préparation. Le seul souci, c'est lié à la chimie du mercure. Le mercure aime toujours la tuyauterie, surtout en PVC, tout ce qui est un petit peu chloré, et donc vient se coller, donc on a des blancs pas super, et donc les droits d'étalonnage sont assez des fois compliqués à faire lorsqu'on a par exemple un échantillon qui est fortement chargé d'un coup, mais ces techniques fonctionnent. Donc ensuite, maintenant qu'on sait analyser le mercure, et comment le doser, la grande possibilité, c'est comment s'en protéger. Donc la méthode la plus évidente, c'est d'éviter d'être en contact avec le mercure, tout simplement, soit en mangeant des choses où on sait où il n'y en a pas trop. Par exemple, si vous prenez des poissons dits comme du thon ou des choses comme ça, du saumon, les poissons de fin de cycle, vous avez une grande chance d'incorporer du mercure, même si c'est quand même assez contrôlé. Est quand même limité. La deuxième, la plus simple, c'est quand même de se protéger, donc des protèges de type masque avec des filtres à charbon actif. Il en existe tout plein, comme des visières, des choses comme ça. Ça a déjà été décrit précédemment, donc je ne vais pas y revenir. Ensuite, c'est protéger l'environnement de travail, c'est-à-dire que si vous avez un appareil vous êtes sûr qu'il va générer du mercure par utilisation, parce que vous êtes obligé d'utiliser, vous pouvez mettre cet appareil dans une enceinte contrôlée, ce qui vous permet, par exemple, comme une sorte de boîte à gants dans le monde du nucléaire, d'éviter de... même si vous avez du mercure qui sort de l'appareil, qui reste confiné. C'est très à la mode en ce moment, le confinement, surtout en France. Et donc, vous avez une possibilité de travailler de façon toute sécurisée, ce qui permet de protéger l'équipement de l'environnement pour éviter les contaminations, mais aussi, surtout, de protéger le personnel qui doit manipuler ces produits un peu toxiques. La dernière possibilité, c'est de filtrer l'air du laboratoire ou alors de la salle où le personnel doit travailler. Donc simplement, on utilise la capacité du mercure à être fixé sur du charbon actif, sur des liquides. Là, j'ai entendu la personne précédente parler de permanganate de potassium. C'est une technique qui marche très très bien, surtout quand on fait un barbotage à l'intérieur. Le seul souci, c'est que le permanganate après se remet en phase vapeur, donc il met du potassium un peu partout. Donc ça salit un peu, c'est un petit peu violet partout, mais ça, c'est une technique qui marche très très bien. Et donc, on peut utiliser cette dernière technique-là pour nettoyer l'air des locaux. Donc, si je fais un point un petit peu sur les enceintes de protection permettent vraiment de
plutôt protéger le personnel dans notre cas de figure, mais elles doivent quand même permettre une facilité d'accès pour pouvoir travailler en tout de façon sécurisée et éviter que, par exemple, que si vous avez un apport extérieur en métal vienne contaminer l'échantillon que vous êtes en train de préparer pour votre patient. La dernière chose, c'est si vous devez travailler sous une enceinte protégée, il faut penser que tout ce qui est à l'intérieur est contaminé et tout ce qui doit sortir doit être filtré pour éviter de rejeter ce que vous êtes en train de préparer vers l'extérieur. Par la suite, on peut terminer sur tout ce qui est le dispositif de nettoyage de l'air de travail. Pareil, ça doit protéger efficacement le personnel. Ça doit être aussi au niveau sonore assez doux pour l'oreille, parce que travailler avec 80 décibels toute la journée, c'est assez pesant. Le système que l'on peut imaginer travaille sur roulette. On le dispose un petit peu là où on veut le mettre. On peut le faire aussi travailler la nuit pour décontaminer la pièce pendant la nuit, pour arriver le matin avec une pièce qui se remet, on va dire, propre niveau de matin. Là, un des avantages que nous avons vu de ce système-là, c'était par exemple en 2003, pendant la canicule en France. Nous avions des clients où la clim avait lâché à cause de cette fameuse canicule. Et on avait vu que le mercure se reconcentrait au sol lors de la nuit, lorsque la recondensation naturelle et la redescente de la température naturelle s'effectuait. Donc c'est comme ça qu'on a vu que le mercure, fallait mieux l'aspirer du bas vers le haut pour le filtrer via par exemple des charbons actifs. Bon, là c'est du carbone activé, donc j'ai marqué charbon actif, mais ce sont des petites plaques de feutrine en carbone activé qui sont beaucoup plus efficaces, et en mettant par exemple un filtre à particules en HEPA13 qui permet d'avoir aussi tout ce qui va être nanoparticules d'autres choses, par exemple nanoparticules d'argent, de zinc, de tout ce qui peut être présent dans l'amalgame dentaire de se piéger sur ces filtres là. La dernière chose, c'est que le filtre aussi doit être facilement changeable de façon sécurisée, pour éviter que lorsqu'on retire le filtre, d'en remettre partout dans le laboratoire ou dans la pièce que l'on veut protéger. Donc voilà, c'était juste la petite présentation de la société, des choses qui peuvent être mises en place pour protéger le personnel au niveau du mercure, au niveau de l'enceinte des dentistes. Je vous remercie encore beaucoup de m'avoir laissé cette opportunité de discussion, et je ne vous embête pas plus longtemps. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Malé Sylvain, pour ta conférence pertinente qui a donné une idée générale sur les intoxications au mercure et les diverses techniques d'analyse, aussi bien sous forme liquide, solide, et son dosage. Vous avez également présenté le matériel de dosage. Vous avez parlé aussi du mode de protection contre les intoxications au mercure, et vous avez fini par le nettoyage de travail. Donc, on vous remercie vivement, et on va donner la parole à M. Abdelkrim Mniani. Je rappelle que M. Abdelkrim Mniani est un doctorant à l'Université Montofail. Il travaille sur le sujet, je ne me rappelle plus, je dois revenir à son sujet, sur l'exposition chronique au mercure chez les dentistes et les assistants dentistes de la région Rabassa-Lekenitra. Il est inscrit sous la co-direction de Mme Naïma Ghalim et de moi-même. Et il va nous présenter l'essentiel de ses travaux, je crois, particulièrement sur l'évaluation de l'évaluation de l'exposition professionnelle au mercure chez les dentistes et les assistants dentaires, particulièrement dans la région Rabassa-Lekenitra. Donc, Serge Krim, vous êtes avec nous. Bonsoir, monsieur. À vous la parole. Bonsoir, monsieur. Ça va, vous allez bien? Bonsoir. Je vous remercie, professeur Souleymani. Et à travers vous, je remercie aussi les organisateurs de ce webinaire. Je remercie aussi les orateurs pour leur présentation très intéressante. Honorable, donc je vais faire la présentation, l'intégralité de votre... C'est bon?
Présenter maintenant, c'est à droite de l'écran en bas. Mm-hmm. Partagez l'intégralité de votre écran. Je vais essayer de l'intégralité de votre écran. Voilà. C'est toujours un problème. Oui. Non, on ne voit rien. Il faut refaire. D'accord. Refaire l'opération. J'espère que M. Sylvain a coupé sa présentation. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Je ne la vois pas. Si vous voulez, je me déconnecte complètement si vous non. pour tester. Non, c'est non. Bon. Bon, bah je coupe le micro, alors je vous laisse parler. Présenter l'intégralité. C'est une année. J'essaie ce jour de connecter la présentation avec le webinaire, mais ça ne marche pas. Comment? Et non, vous avez envoyé tout à l'heure au docteur Narjé, je pense. Votre oui. Il peut la partager si vous avez. Oui, il y a un problème de Windows, donc ça ne passe pas. Oui, oui. Docteur Badran? Margis. Oui, oui, docteur Almoui, professeur Souleymane, je vais partager la présentation. Voilà. Donc, je vais attendre le partage de la présentation pour commencer. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez la présentation maintenant ou bien je l'ai partagée, je viens de la partager. On l'a vu, puis elle maintenant on voit l'écran. Voilà. Alors. Il faut activer. Maintenant, voilà. Maintenant, c'est bien. D'accord. Parfait. Je remercie Dr Badran pour son aide. Donc, honorable assistance, permettez-moi de partager avec vous mon sujet de recherche intitulé « Évaluation de l'exposition professionnelle Évaluation de l'exposition chronique au mercure chez les dentistes et les assistants dentaires exerçant… » S'il vous plaît, docteur Badran, coupez votre micro. Merci. Oui. Donc, j'ai l'honneur de partager avec vous mon sujet de recherche intitulé « Évaluation de l'exposition chronique au mercure chez les dentistes et les assistants dentaires exerçant dans la région de Rabat, Sali, Kénitra. Donc, selon une étude qu'on a menée au niveau de la ville de Rabat et Kénitra, on a trouvé que 54% des dentistes utilisent encore l'amalgame dentaire. Selon une autre étude menée par Nordine Adia et Hall dans deux régions du centre du Maroc, région de Fes Boulmen et la région de Meknès Safilels, ils ont trouvé que 76% des dentistes utilisent l'amalgame dans leur pratique. Donc, l'utilisation continue des amalgames dentaires au niveau du Maroc ne laisse penser aux risques sur la santé auxquels sont confrontés les dentistes et les assistants dentaires. Peut-être que les dentistes sous-estiment l'effet toxique de la vapeur du mercure libérée lors de la manipulation de ces amalgames. Au niveau national, aucune étude
à ce jour, n'a été réalisé pour évaluer l'exposition professionnelle chronique à la vapeur des mercures provenant des opérations à l'amalgame dentaire à base de mercure chez les médecins dentistes et les assistants dentaires. Notre hypothèse, c'est qu'il y a une association significative entre la manipulation de l'amalgame dentaire à base de mercure et le taux élevé des mercures urinaires chez le personnel dentaire. À cet effet, le Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc, en collaboration avec l'Université Ibn Toufail, lance prochainement une étude d'évaluation de l'exposition chronique au mercure chez les dentistes et les assistants dentaires. Dont l'objectif, c'est de confirmer ou infirmer l'existence d'une association entre la manipulation de l'amalgame dentaire à base de mercure et le niveau des mercures urinaires chez les dentistes et les assistants dentaires et évaluer son importance si elle existe. Un objectif secondaire, c'est d'évaluer l'impact des facteurs environnementaux professionnels et des techniques de travail de l'amalgame sur le taux des mercures urinaires. Le lieu d'étude, c'est le Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc, CRPM. Avant d'entamer une étude scientifique, il faut une autorisation éthique qui a pour objectif la protection des participants et que les données des participants seront rendues anonymes lors de la saisie dans la base de données. Pour notre étude, nous avons eu l'accord et l'avis favorable pour la mise en œuvre de notre projet de recherche. Cet avis favorable a été accordé par le comité d'éthique pour la recherche biomédicale, sise à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Le type d'étude qu'on va mener, c'est une étude observationnelle analytique de type cas témoin qui cherche à mettre en évidence l'association entre l'exposition professionnelle au mercure en manipulant l'amalgame dentaire et le taux élevé des mercures urinaires chez les dentistes et les assistants dentaires. Chez qui ? Chez des dentistes et assistants dentaires qui travaillent dans le secteur privé de la région de Rabassal et Kinitra et qui manipulent l'amalgame dentaire, c'est-à-dire qu'ils font la pose et ou la dépose de ces amalgames depuis au moins 6 mois. Les résultats qui seront obtenus, ils seront confrontés avec les résultats des tests d'analyse chez des témoins qui sont appareillés selon l'âge, le sexe, le niveau académique et qui sont aussi des dentistes et des assistants dentaires qui travaillent aussi dans le secteur privé de la région de Rabassal et Kinitra, mais qui ne manipulent pas l'amalgame dentaire, c'est-à-dire qu'ils ne font ni la pose ni la dépose de ces amalgames. Concernant le déroulement de l'étude, en premier lieu, un questionnaire qui sera distribué aux participants éligibles afin de recenser des informations sur l'exposition au mercure. L'exposition, il y a deux types d'exposition, l'exposition professionnelle, c'est-à-dire l'environnement de travail, les différentes techniques de manipulation et de préparation des amalgames dentaires, aussi l'exposition non professionnelle qui peut influencer le taux des mercures urinaires. Par exemple, le nombre d'amalgames présents sur la denture des participants, la consommation de poissons ou de chewing-gum, le tabagisme, l'utilisation des crèmes éclaircissantes et ou des médicaments contenant des mercures. En deuxième lieu, il y aura un recueil des urines, des dentistes et des assistants dentaires, participants volontaires, ces participants qui recevront un pot de prélèvement urinaire. Ces prélèvements urinaires servent à doser la concentration des mercures urinaires chez cette population à risque afin d'infirmer ou de confirmer l'exposition professionnelle au mercure. La question maintenant qui se pose, est-ce que le personnel dentaire est au courant des tests d'analyse du mercure?
Selon l'OMS, après exposition au mercure élémentaire ou à ses dérivés minéraux, la principale voie d'excrétion est la voie urinaire. Par conséquent, le dosage de mercure total urinaire permet d'apprécier une exposition ancienne et constante de plus de 3 mois. Ce dosage est bien corrélé aux effets sur la santé. Les prélèvements urinaires avec code anonyme seront analysés dans le laboratoire d'analyse biomédicale au niveau des centres antipoison et de la pharmacovigilance du Maroc qui se trouve à Rabat. L'analyseur de mercure qui sera utilisé, c'est AMA-254 d'Altec, qui est un spectrophotomètre d'absorption atomique qui sera utilisé pour la détermination de la concentration totale des mercures urinaires. Les données anonymes sont analysées sur un logiciel de biostatistique afin de chercher des associations significatives entre les variables étudiées. Les résultats seront interprétés selon la valeur de référence. Et si le taux de mercure, c'est le taux de la concentration totale de mercure urinaire est supérieur à 50 microgrammes par litre ou s'il y a présence des symptômes liés à l'intoxication au mercure. Donc, les participants qui présentent ces deux, soit le taux élevé, supérieur à 50 microgrammes par litre, soit il y a présence des symptômes liés à l'intoxication. Donc, ils font l'objet des notifications au niveau du centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc. Et le suivi sera assuré par un médecin spécialiste en pharmacotoxicologie. Enfin, pour rappeler aux dentistes et aux assistants dentaires de la région de Rabat-Salikinitra de retenir ce numéro. 06 60 00 49 93 pour pouvoir prendre un rendez-vous pour un prélèvement urinaire afin d'évaluer votre exposition au mercure. Si vous êtes exposé, mesdames, messieurs, vous aurez un suivi au CAPM avec un traitement antidotique gratuit si nécessaire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Al-Karim Niani, pour ta communication claire et précise. Vu le temps qu'on a perdu, je vais donner la parole directement à Mme Naïma Rahim, qui va présenter son panel sur le rôle de l'association marocaine Santé, Environnement et Toxicovigilance, AMSETOX, dans la lutte contre l'exposition au risque. Je rappelle que Dr Naïma Rahim est médecin pharmacotoxicologue au centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc. Elle est également docteur en sciences en vigilance sanitaire et elle occupe depuis 2013 le poste de responsable du département de toxicovigilance au sein du CAPM Maroc. Elle est également rédactrice en chef de la revue Toxicologie Maroc, cette revue qui paraît chaque trimestre depuis l'année 2009. Elle est également experte auprès de l'OMS pour les évaluations externes dans le cadre du règlement sanitaire international concernant les risques chimiques. Membre du groupe INTOX du programme international sur la sécurité chimique de l'OMS, elle est fondatrice et membre de plusieurs associations savantes. Elle est particulièrement fondatrice de la société marocaine de toxicologie clinique et analytique dont elle a assuré la présidence au cours de 2 mandats, de 2011 à 2018. Elle est actuellement présidente fondatrice de la société marocaine Santé, Environnement et Toxicovigilance qui organise ce webinaire.
Donc, à vous la parole, Madame Naïma Ghalem, et par la suite, on va ouvrir peut-être un petit quart d'heure pour les discussions parce que le temps presse. Merci, Madame. Merci, Professeur Souleymani. Vous voyez ma présentation? Oui. D'accord. Donc, je vais rapidement passer sur certaines activités de la Société marocaine Santé, Environnement et Toxicovigilance. Dans le cadre de la lutte contre le risque chimique en général, pas uniquement pour le mercure. Il faut dire que c'est la première fois qu'on s'intéresse au mercure. Donc, il s'agit d'une association jeune qui a été fondée depuis 2019 et il regroupe un ensemble de membres qui s'intéressent aux problématiques de l'environnement, de la toxicologie, dans tous les domaines de la toxicologie et également la surveillance en toxicologie, c'est-à-dire la toxicovigilance. Les objectifs, surtout l'objectif principal, c'est de promouvoir la protection de la santé humaine contre les facteurs des risques environnementaux. Et ceci en participant à la surveillance et l'évaluation et au diagnostic en santé environnementale. Bien sûr, quand c'est possible, on émet des recommandations sur les actions pertinentes de minimisation des risques. On fait la promotion de la formation dans le domaine de la santé environnementale et on a des coopérations avec plusieurs organisations et plusieurs organismes internationaux. Je vais juste masquer ça. Bien sûr, on soutient le développement de nouvelles technologies dans le domaine. Parmi les activités de l'AMSETOX, on participe régulièrement dans le cadre de réseau, parce qu'on fait partie d'un réseau international qui regroupe plusieurs associations qui font partie de l'IPEN, qui est le programme international de lutte contre les produits chimiques. Et donc, dans ce cadre, on participe depuis notre fondation à la semaine d'action internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb. Donc, on a participé. Cette semaine est co-dirigée par le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUR, et l'Organisation mondiale de la santé. On a participé en 2019 et en 2020, et bien sûr, c'était consacré à la lutte contre l'intoxication au plomb. On a eu en 2019 une demande pour faire une consultation pour l'élaboration d'un rapport sur les pesticides hautement dangereux au Maroc. C'était une étude qui était très importante parce qu'elle a mis le doigt sur plusieurs problèmes liés aux pesticides dangereux au Maroc et c'est publié sur le site de l'IPEN. On a participé également à un projet qui est, donc nous on s'intéresse à tous les produits chimiques, donc les pesticides, puis là le plastique, donc on a participé au Global Plastic Monitoring Project. C'est un projet qui regroupe plusieurs pays et il a été donc réalisé par l'IPEN, nous donc on a participé. L'objectif de ce projet était de sensibiliser le monde entier aux produits chimiques dangereux liés au plastique grâce à la génération de données sur les polluants organiques persistants. C'est-à-dire qu'il fallait faire des analyses pour avoir des données fiables pour pouvoir faire le plaidoyer pour arrêter certains produits. Et donc, on s'intéressait aux POP, aux polluants organiques persistants et aux perturbateurs endocriniens dans les pastilles et fragments de plastique qui se trouvent au niveau des plages. Donc là, je suis avec ma collègue Dr Abou Ali sur la plage de Harhora. Alors, on a également organisé, en collaboration avec le Centre d'études doctorales de l'Université de Montfermeil, une journée de sensibilisation au risque d'exposition au plomb en octobre 2019. Notre association a participé à l'instauration, c'est-à-dire à rendre une norme qui était déjà instaurée, à la rendre obligatoire. C'est la norme sur la teneur des peintures en plomb, et donc qui a été mise en place par les Manor en 2019. Et donc en 2020, on a fait une réunion avec on a fait un plaidoyer au niveau du ministère de l'Industrie pour rendre cette norme obligatoire. On a réalisé à cet effet une journée qui regroupait les industriels. Un autre champ de bataille, c'était le talc.
le talc, c'est-à-dire la poudre talc, qui est utilisée chez les enfants et les femmes. Et donc, le projet est appelé talc double standard, c'est-à-dire que le talc, il était banni par l'industrie, par la société qui le vend au niveau de Canada et des États-Unis, mais il est toujours vendu dans d'autres pays. Et donc, l'association a participé à, là aussi à un projet international dans le cadre de la phase 3 des ODD, donc des objectifs de développement durable, sans produits toxiques. Le but, c'est le retrait des produits de talc, surtout Johnson & Johnson, de la vente, dans le but de retirer à long terme tous les produits qui contiennent tous les produits cosmétiques à base de talc. Là, c'est une affiche qu'on avait faite dans, dans ce cadre et qu'on avait donc distribuée sur les réseaux sociaux. Puis, il y a donc un autre projet qu'on a fait avec une association tchèque. C'est donc c'est un programme sur les produits toxiques et les déchets. Alors, le but de cette... on a fait une étude donc en ramassant, en faisant la collecte de plusieurs échantillons selon l'étude. Alors, le but de cette étude est de mettre en garde les décideurs politiques contre le recyclage incontrôlé des composés toxiques et souvent interdits dans de nouveaux produits. C'est-à-dire, les produits plastiques qui sont recyclés et mis dans d'autres produits, là, ça pose des problèmes. Et plus précisément, le recyclage des polybromo-définiléthers. Bon, ça me cache le... C'est pas grave. Donc, on a fait... la collecte, donc là, c'était les articles de cheveux, les jouets, les articles, les ustensiles de cuisine et les articles de bureau. Donc, c'est le plastique noir qui est recyclé à partir des PC. Pour le mercure, donc, c'est la première fois qu'on s'intéresse à travers ce webinaire. Et je pense, j'ai oublié de dire que dans l'ouverture, que le but principal de ce webinaire était la sensibilisation des dentistes et des assistants dentaires pour la prévention de l'exposition au mercure. Et d'autre part, le but aussi, c'est de lancer l'étude dont vient de parler M. Meniani, qui est une étude d'évaluation d'exposition des professionnels de la dentisterie au mercure. Et donc, je rappelle, je lance donc je relance l'appel aux dentistes et aux professionnels, à tous les professionnels de la dentisterie, qu'ils peuvent venir au centre Tipoison pour se faire évaluer dans ce sens. Bien sûr, Amcetox projette de réaliser d'autres études et a plusieurs autres projets qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les risques liés aux produits chimiques en général et dans la population générale, mais également et surtout chez des populations vulnérables. Et merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Allez-y, madame. Donc, vous continuez. Merci pour ces explications sur le rôle de la société l'Amestox, son rôle dans la lutte contre plusieurs problématiques d'ordre, si on veut dire toxicologique, et notamment cette problématique du mercure. Merci encore une fois à nos panélistes et aussi à nos conférenciers. Et je déclare l'ouverture de la session discussion. Qui sera malheureusement très courte, puisqu'on a. Oui, j'ai quelques questions. Oui, j'ai quelques questions. Donc, je commence par Dr Chaoui, puisque c'est la première qui a intervenu. Donc, le dosage du mercure au CAPM. C'est une question pour Dr Chaoui. Le dosage du mercure au CAPM, est-ce qu'il se fait dans le cadre d'une surveillance de routine ou seulement dans le cadre d'études ponctuelles?
Merci, docteur Eken. Donc, merci, monsieur Barkia, pour votre question. Donc, je crois que je vais répondre et je vais laisser aussi ma consoeur, docteur Nargis, puisque c'est elle la responsable du laboratoire, apporter un complément de réponse. Donc, pour vous éclairer quant au dosage du mercure au niveau du centre, donc le centre, il vient d'acquérir un analyseur de mercure. Donc, on va commencer à faire les dosages. Donc, ce n'est pas un programme de surveillance comme c'est-à-dire classique comme vous le concevez, mais c'est plutôt c'est-à-dire les suspicions d'intoxication qu'on a, donc sur l'interrogatoire, sur les signes cliniques présentés et surtout l'interrogatoire, c'est-à-dire les expositions du patient. Donc c'est sur ces éléments-là qu'on prescrit le dosage du mercure. Donc voilà, donc et aussi dans le cadre des études. Donc au fait, c'est les cas qui se présentent chez nous au centre et aussi les études. Voilà, donc je ne sais pas si Dr Bdran a un complément de réponse. Non, Hanan, en fait, vous avez tout dit. Donc, on vient d'acquérir l'analyseur de mercure. On va commencer à travailler donc sur les échantillons déjà de l'étude. Par la suite, ça va pas être juste destiné aux études donc chez les dentistes ou les autres travailleurs ou bien la population qui est exposé aux problèmes de mercure, mais ça va être pour les patients chez qui on suspecte une intoxication par le mercure. D'ailleurs, Dr Chaoui, qui est la responsable du dossier métaux lourds au niveau du centre antipoison, donc réalise des consultations chez les patients chez qui on suspecte des intoxications chroniques par le mercure. On est également sollicité, et plus particulièrement Dr Chaoui, par les cliniciens des CHU et des hôpitaux. Donc surtout en milieu de pédiatrie, on a une suspicion d'intoxication chronique ou d'exposition chronique au mercure. Et là, donc, il y a toute une procédure. On commence par tout ce qui est donc recherche des facteurs de risque d'exposition au mercure. Par la suite, le dosage du mercure qu'on va commencer à faire au niveau de notre laboratoire. Et après, est-ce qu'il y a une indication ou pas à faire donc la chélation pour les cas d'exposition, que ce soit aigu ou chronique. Voilà. D'autres questions, Madame Iken? Je crois que Madame Iken s'est déconnectée. Ça arrive qu'à pas. Je ne sais pas, professeur Souleymani, est-ce que vous avez donc écouté mon intervention, non? Oui. D'accord. Oui, on attend Imen Iken pour la suite. Pour la suite de la discussion. Bon, on va voir. Sinon, Nargis, tu peux reprendre les questions, le chat. D'accord. Donc, voilà, je vais juste... Donc, revenir à la liste des questions. Donc, excusez-moi. Alors, il y a une question par rapport à quelles sont les analyses à prescrire pour rechercher le mercure ou diagnostiquer l'intoxication aux métaux lourds disponibles au Maroc, à part l'analyse des cheveux qu'on envoie au laboratoire à l'étranger. Je pense qu'on a déjà répondu, Hanan et moi, à cette question. Donc, il y a aussi le dosage du plan qui se fait au niveau du laboratoire. Et c'est la même procédure. Docteur Chaoui qui va suivre les patients chez qui on suspecte une exposition. Et par la suite, il y a le rôle du laboratoire dans la quantification du plan ou bien du mercure. Alors, il y a une autre question. Où on peut trouver les capteurs d'amalgame au Maroc? Alors là, je ne sais pas qui peut répondre. C'est Dr Moussafir, vous m'entendez? Oui. Concernant la question de capteur d'amalgame. Pour le récupérateur d'amalgame ou séparateur d'amalgame, on peut le trouver, à ma connaissance, chez la société Africa Metal Dental, qui est installée à Casablanca. Ils ont le purificateur d'air, ils ont le séparateur d'amalgame. Donc, il est disponible au Maroc. D'accord. Il y a une question par rapport à tout ce qui est où est-ce qu'on peut trouver les purificateurs d'air? Donc, toujours en rapport avec les... Chez la même société, on peut trouver les purificateurs d'air.
Je pense que docteur Ricken, vous avez avec vous. La désolée, perdu la connexion. Donc j'ai une autre question à vous, docteur Badran. Donc, quelle analyse prescrire pour rechercher le mercure ou diagnostiquer l'intoxication aux métaux lourds disponibles au Maroc Exactement. Les deux questions par rapport aux purificateurs d'air et séparateurs d'amalgame, également les analyses à prescrire qu'on peut faire au niveau du Maroc, on a déjà répondu à ces questions. D'accord. Donc, j'ai une question peut-être donc une question sur les tradis praticiens ou bien les guérisseurs dentaires traditionnels. Qu'en est-il des tradis praticiens ou les guérisseurs dentaires traditionnels, les matériaux qu'ils utilisent, leur composition et qui les contrôle? Ils veulent parler des charlatans. Exactement. Vraiment. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure concernant les charlatans, ce sont des gens qui exercent dans l'illégalité absolue. Ils n'ont pas le droit de toucher aux patients. Aux patients. Ou bien de travailler dans les cavités buccales, c'est-à-dire dans les bouches des citoyens. Malheureusement, il y a beaucoup d'arrêtés, il y a beaucoup de recommandations, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réglementations concernant. Concernant l'interdiction de ces faux dentistes d'exercer par le ministère de l'Intérieur, malheureusement, il n'y a pas d'application de la loi et vraiment, ils font du n'importe quoi, ils font pas toucher le citoyen ou le patient. Pas les toucher. Ce sont des gens qui ne sont pas qualifiés pour travailler en bouche. Ils ont l'autorisation du ministère de l'artisanat parce que ce sont des prothésistes. Donc, le ministère de l'artisanat donne l'autorisation d'exercer, mais normalement, ils ne doivent pas travailler en bouche, ils doivent travailler sur le plâtre. Donc, normalement, c'est interdit de travailler en bouche. Donc, j'ai lancé un message aux autorités compétentes d'interdire ces gens et d'appliquer la loi. D'accord. Merci, docteur Moussafir. Donc, une autre question. Toujours pour Dr Moussafir, vous dites qu'il y a changement de paradigme concernant les amalgames. Pensez-vous qu'il y a également un changement d'attitude et de pratique de la part des chirurgiens dentistes? Ah oui, concernant le changement de paradigme. Oui, notre profession, c'est évident. Elle fait face à des défis sans précédent. Les évolutions de toutes sortes et dans tous les domaines sont devenues notre quotidien. Cependant, les seules innovations technologiques sont insuffisantes pour assurer la pérennité des structures libérales. La maîtrise des aspects non cliniques est devenue donc un élément déterminant dans la survie des cabines. Merci, docteur Moussafir. J'ai une autre question et cette fois-ci, je pense, c'est pour tous nos conférenciers et panélistes. Donc, le mercure et les métaux lourds, d'une façon générale, constituent de plus en plus, sous l'effet de plusieurs facteurs dans l'industrialisation, un vrai défi pour la santé publique. Pour faire face à cette problématique, n'est-il pas opportun d'institutionnaliser un programme national de lutte contre les conséquences des métaux lourds? À vous la parole, nos chers conférenciers et panélistes. Merci, docteur Iken. C'est une question de M. Bakria. Donc, s'il vous plaît, M. Lhamri, si vous pouvez éteindre votre micro. Merci.
Donc, effectivement, donc, il est temps d'institutionnaliser un programme de lutte contre les métaux lourds en général, donc non seulement le mercure, mais on œuvre dans ce sens au niveau du Centre Antipoison et du ministère de la Santé en général. Donc, on espère arriver. On est un pays en transition épidémiologique entre les maladies infectieuses et les maladies non transmissibles. Donc, le chemin est lent et l'expérience qu'on est en train de vivre actuellement de lutte contre le Covid nous montre qu'on est encore, notre combat avec les maladies infectieuses est loin d'être terminé. Donc, on espère, c'est-à-dire que nos efforts vont aboutir sur un programme. Dans tous les cas, on œuvre, on travaille sérieusement dans ce sens d'institutionnaliser un programme de lutte contre l'exposition aux métaux lourds en général. Oui, merci, docteur Chaoui. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai comme. Je crois, madame Ikin, je crois qu'il faut s'arrêter parce qu'il faut donner la parole à madame Souleymani peut-être pour un mot de clôture. Oui. Parce que monsieur Ayoub Lassadi, qu'on remercie vivement, il est coincé à la faculté. D'accord. Pour lancer pour les. Les choses techniques. D'accord. Et toi, avec le couvre-feu, c'est, il est très, ah oui. On l'a dépassé pour 21h. Est-ce que oui. Je peux prendre une voilà. Minute, s'il vous plaît? Oui. C'est allez-y. Voilà, je suis docteur Hemeni Hicham, chef du département de toxicologie au sein de l'Institut national d'hygiène de Rabat. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce webinaire. L'association Alain Stox, le Centre Antipoison et le SEDOC de Kinitra, spécialement Siadim Jid Souleymani, puisque je suis son ancien étudiant à Kinitra, la promotion, je crois, 1988-1989, la génétique mendélienne et tout ça. Oui. D'accord. Donc, comme vous savez, le département de toxicologie fournit des services analytiques un peu spécialisés de laboratoire et s'appliquant sur les paramètres comme les pesticides, les médicaments, les drogues, métaux lourds, et spécialement le mercure et le méthylmercure. En effet, j'avais fait une étude dans le cadre de ma recherche doctorale en 2007 sur l'analyse du mercure et méthylmercure dans les produits de pêche au nord du Maroc, et j'ai fait une corrélation avec l'analyse du mercure dans les cheveux. Donc, c'est une étude qui a été très intéressante et elle a été publiée dans un journal donc, international. Et nous avons au sein de notre département un peu de l'expérience pour l'analyse de mercure. Donc, en effet, pour assurer nos activités et notre mission au sein de notre département, nous disposons d'un plateau technique spécialisé. Et je rejoins un peu là la dernière question de Mme Imaniken. Pour un peu coordonner nos efforts pour la réussite de la convention de Minamata, parce que le Maroc va s'engager et il faut vraiment que le Maroc ait un plateau technique un peu spécialisé pour faire les investigations toxicologiques sur les différents patients à risque pour le cas de mercure. En effet, nous sommes équipés, avant on travaillait avec une spectrophotométrie d'absorption atomique avec générateur d'hydrure. Maintenant, l'analyse du mercure est réalisée avec un analyseur de mercure direct et avec une ICP-MAS qu'on vient juste d'acquérir. Donc, comme toujours avec le centre antipoison, nous collaborons toujours. Donc, nous sommes prêts à collaborer encore dans ce domaine-là, et surtout avec notre jeune association, la MSTOC, qui fait du très, très bon travail. Voilà. Merci à vous. Merci pour votre intervention. Donc, nous vous remercions tous donc, pour la qualité des interventions et du débat. Merci encore une fois à l'audience et nous espérons vous avoir répondu à toutes les questions. J'invite maintenant Dr Ghalem Naïma, donc la présidente de la MSTOX, pour le mot de clôture. Merci Dr Ikin. Est-ce que j'ai activé? Oui. À vous la parole. Oui. Je m'assurais que j'ai activé le micro. Oui.
Donc, rapidement, puisqu'il se fait tard, donc je voudrais juste remercier tous les orateurs, les panélistes et les participants. Ce webinaire a été riche en informations et en échanges scientifiques. Et donc, sinon, pour moi, les principales recommandations qu'on peut retenir sont, la première est en rapport avec la décision de la Commission nationale consultative de pharmacovigilance du ministère de la Santé, qui a émis donc des restrictions d'utilisation des amalgames dentaires en mars 2019, très peu de temps après la France et l'Union européenne, donc qui l'ont fait en juillet 2018, dans le but de se conformer aux dispositions de la Convention de Minamata concernant la limitation de l'usage de l'amalgame dentaire. Donc ces restrictions, la recommandation est que ces restrictions d'utilisation doivent être connues et appliquées par les professionnels de la santé dentaire au Maroc. La deuxième recommandation concerne le dosage de mercure qui est disponible au niveau du CAPM, comme on a vu. Et donc, les médecins dentistes peuvent en bénéficier, que ce soit dans le cadre de l'étude qui est lancée donc par le centre antipoison sur l'évaluation de l'exposition des dentistes et des assistants dentaires au mercure. Mais également, donc, en dehors de cette étude, les dentistes peuvent donc évaluer l'impact de l'exposition professionnelle au Maroc, au mercure, en venant donc se faire tester en dehors de l'étude. Et ça va se faire gratuitement, d'autant plus que, comme a dit Dr Hanan, il existe l'antidote du mercure qui peut être également délivré gratuitement si nécessaire. Donc, sur ceci, je déclare le webinaire terminé et je remercie tout le monde.